Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Une nouvelle étape de cette histoire secrète des Tours de France, enfin du Tour de France, l'histoire secrète de l'histoire de France, pardon, en compagnie de mon professeur d'histoire préféré, celui que j'aurais aimé avoir au lycée ou au collège, ou peut-être même à la fac. Ce soir, on reçoit Michel Desailly, vous l'avez compris. Vous êtes très nombreux déjà sur les commentaires. Je vois Octave qui nous dit bonsoir à tous, content et impatient d'écouter Michel Desailly. On apprend tellement de choses intéressantes grâce à lui. Merci beaucoup, Monsieur Desailly, et merci Nuria TV. Ben, merci à toi, Octave, et merci les amis pour votre fidélité. Écoutez, ce que je vous propose, sans plus attendre, on va accueillir Michel. Juste avant, pour signaler aux petits nouveaux que si vous êtes en train de nous visionner sur YouTube et que vous voulez participer, poser des questions, des commentaires durant le direct, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site www.nurea.tv. Vous cliquez sur l'émission de ce soir, donc sur l'histoire secrète de France. Il y a une affiche. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur la page et juste sous le texte de présentation, en dessous de la vidéo, vous avez une application commentaire. Il faut un compte Facebook pour pouvoir poster des commentaires. Et vous êtes les bienvenus pour venir échanger avec les Nuréens et puis pour poser des questions. Et j'essaierai en fin d'émission, comme nous avons l'habitude de le faire, de sélectionner quelques-unes des questions que vous posez et vous souhaitez soumettre à Michel, sachant que durant l'émission, on a pris l'habitude avec Michel de ne pas prendre de questions pour ne pas couper le déroulé de ses explications et de prendre un petit temps en fin de conférence pour le faire. Voilà, bah écoutez, je crois qu'il est temps. Bonsoir Michel et sois le bienvenu sur Nuréa TV. Eh bien, bonsoir. Très, très, Merci. très content de te retrouver, Michel. Ah ben, merci. Le petit Moi rythme de de même. un mois, un rendez-vous par mois sur l'histoire secrète de France est une bonne chose, il me semble. Et ce soir, on attaque le deuxième volet de cette histoire secrète. Oui, secrète en partie. Il y a une partie, disons, non secrète, une partie secrète. En tout cas, bonsoir à toutes les Nuréennes et tous les Nuréens, très très nombreux, bien entendu, ce soir. Toutes mes excuses aux dizaines et dizaines de Nuréens, Nuréennes qui ont mis des commentaires sur la précédente conférence. Malheureusement, j'ai pas pu répondre parce que certaines personnes posent des questions. Bien sûr, d'habitude, je réponds. Là, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, soit il faudrait que je fasse une réponse globale pour l'ensemble de tous ceux qui ont regardé, et une réponse individuelle, il faut que je retrouve quelques créneaux de disponibilité. Ceci dit, Michel, pour ta défense, tu nous consacres déjà de longues heures en Ouais. direct à l'antenne pour Ah partager toutes tes connaissances avec nous. ouais. Donc, rien que pour ça, je pense qu'on est très nombreux à te remercier. Et d'ailleurs, un commentaire d'Elisabeth qui nous dit « Coucou tout le monde, ravi une nouvelle fois d'être avec vous tous et avec Michel, dont j'ai dû visionner une bonne dizaine de conférences ces derniers temps. Mais dort-il cet homme généreux pour pouvoir nous conter tant d'histoires sur tant de sujets? Michel, vous êtes inouï. » Et c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'en ce moment, en plus, tu étais débordé avec un emploi du temps de ministre, sans exagérer. Donc, Oui, quasiment. encore une fois, un grand merci pour le temps que Ouais. tu nous consacres, pour les vidéos que tu fais avec nous sur Nura TV. Et je précise aussi pour toutes les conférences qui sont aussi en accès libre sur ta chaîne YouTube. Et il y a plein de sujets hyper intéressants qu'on peut retrouver sur ta chaîne et des conférences que tu as enregistrées. Oui. Alors bon, ben, je suis très content de retrouver les Nuréens, Nuréennes, comme je dis toujours, les chercheurs de lumière et de vérité. Donc, les chercheurs de lumière et de vérité, bon, bien sûr, qui suivent les conférences, apprennent toujours beaucoup de choses. Hein. En particulier sur ce qu'on appelle l'histoire ésotérique, qui malheureusement hein, n'est pas enseignée dans les écoles et les universités. Et même ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça met en colère le milieu universitaire. Hein. C'est-à-dire que certaines thèses dont je vais parler, non seulement sont inconnues, mais quand elles le sont totalement brocardées par les milieux qu'on pourrait qualifier de l'histoire officielle. Ben justement, tu vois, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a un commentaire de Jonathan qui nous dit bonsoir à tous. Ce soir, le thème correspond à mon programme de licence d'histoire de l'art et archéologie. On révise comme on peut. Donc, Jonathan, te voilà prévenu. Tu vas apprendre des choses ce soir. Si tu les ressors dans ta copie à la fac, je ne suis pas sûr que ça soit bien vu, mais ceci dit, il faut un peu de courage des fois et assumer les idées qui nous semblent les plus cohérentes. Disons que le fond des choses est toujours le même. Un vrai universitaire, en quelque domaine que ce soit, bon, ouais, surtout dans les sciences humaines, hein, veut toujours une preuve matérielle de ce qui est avancé. Donc une preuve matérielle en histoire, c'est soit une preuve archéologique, soit un texte dans une chronique, un témoignage.
à l'époque contemporaine, forcément un journal, les caméras, un film qui a été fait, la mort du président Kennedy, je ne sais pas, un discours du président de la République. Alors, plus on remonte dans les périodes anciennes, moins on a de support. Bon, alors ça c'est un premier plan. Alors, quand on dit vous faites de l'histoire secrète, de l'histoire ésotérique, forcément c'est très très embêtant, parce que là, s'il y a des documents, ils ne peuvent pas les publier. Donc, l'historien officiel va dire, c'est bien beau de vous baser sur telle archive de famille, tel manuscrit peut-être détenu par une loge de telle ou telle société secrète. Forcément, on voudrait bien l'avoir, mais on ne l'a pas. Alors, le reste, c'est des explications qui sont données par la tradition ésotérique. Donc, la tradition ésotérique interprète tel ou tel événement comme ça. Les Templiers, pour la tradition, c'est ça. Les cathares, c'est ça. Les Rose-Croix, c'est ça. Mais, bien sûr, on ne fournit pas de preuves matérielles. Alors, quelquefois, ce qui est très curieux en histoire, c'est que les thèses ésotériques sont quelquefois beaucoup plus logiques que les thèses officielles. Parce que comme il y a des thèses d'histoire officielle qui expliquent un événement, vous allez en avoir deux ou trois aujourd'hui, soit à l'école, parce que c'est souvent fait au niveau scolaire, soit pour l'opinion publique, c'est pris au sens propre, eh bien, écoutez, c'est totalement farfelu. Et que l'histoire secrète est plus explicative. C'est-à-dire, sans preuve, c'est mieux et plus logique que l'histoire officielle avec preuve. Oui. qui est une des choses les plus extraordinaires qui soit, un paradoxe inouï, mais c'est comme on peut voir. Sinon, si on se fie à la science officielle qui dit, moi je peux pas aller au-delà des documents que j'ai, donc je peux pas vous expliquer ça et ça reste mystérieux. En ésotérisme, on a l'explication. Et du coup, comme une explication non prouvée, la science officielle nie. Alors qu'on apporte quelques réponses à des choses qui apparemment sont inexplicables. Oui, il y a toujours cette fameuse chape de plomb, ce mur qui sépare la connaissance officielle et puis. C'est un fléau, mais on fait avec. Hein. On essaie de rétablir un semblant d'équilibre entre l'histoire officielle et autre. C'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir. Voilà. Alors, je vais faire un petit rappel en quelques minutes de la conférence précédente parce que peut-être que des Nuréens d'aujourd'hui n'y étaient pas la dernière fois. Puis bon, pour refaire un petit peu de mise en mémoire. Donc, dans la précédente conférence, on avait commencer l'histoire secrète à la préhistoire et aux grottes peintes du temps de paléolithique, etc. Et on était arrêté à Élésia dans l'histoire de la conquête des Gaules par César et la reddition, malheureusement, notre grand chef historique vers Saint-Sulpérix. Et bon, dans cette conférence-là, on montrait qu'il y avait une tradition quand même de l'art d'un très très haut niveau de civilisation dans notre pays. Ce qui correspond bien sûr géographiquement à notre pays, puisqu'avant, bien sûr, du temps des grottes de Lascaux ou le Pêche-Mer, d'autres endroits, il n'y avait pas un territoire qui s'appelait France, ni même Gaule, ni même de Celtes, ni même Romains, etc. Mais on voit bien, pour reprendre l'histoire de Lascaux, qui est un mystère, non pas comment on fait les peintures, parce que d'un point de vue technique, les spécialistes ont prouvé comment elles pouvaient être faites, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le sens donné à ces voilà. Alors, je reviens pas sur la conférence, parce qu'on va pas la refaire, mais ces peintures étaient très, très, à l'intérieur des grottes, donc pas visibles par des personnes. On visitait pas ça comme un musée. C'était très difficile à faire, parce qu'il y en a des peintures qui sont sur les plafonds et tout ce qui s'en suit. Et aujourd'hui, presque tout le monde s'accorde à penser que c'est un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu de culte, un lieu religieux. Pour X raisons, on peignait des animaux sur les murs. Et sans doute qu'il y avait un rituel, qu'il y avait des personnes du clan qui vivaient à l'extérieur, mais qui se rencontraient, faisaient quelque chose, peut-être de prière, je ne sais pas, à l'intérieur de ces grottes peintes. Un peu comme nous, on irait à l'église. Ou les francs-maçons... à la grande loge, donc ils allaient au sanctuaire, etc. Et bon, la surprise qui est souvent faite pour les gens qui connaissent pas, c'est l'ancienneté de ces peintures qui ont 15, 20 000 ans, etc. Bon, c'est 15, 18 000 ans pour Lascaux, mais la fameuse grotte Chauvet a 10 000 ans de plus. Donc bon,
s'est dit, c'était déjà des artistes, comme on dit, comme nous, la France est une terre quand même d'artistes, parce que les œuvres d'art, hein, jusqu'à la Renaissance, ça, c'est quelque chose de sensationnel. Aujourd'hui, bon, l'art moderne, c'est un petit peu moins, bon, etc. Donc, on est assez bien parti pour être un phare culturel de l'Occident. Bon. Et ça, pour revenir à l'idée que notre pays est l'un des plus grands pays pour l'ésotérisme dans le monde. Ça, on a un rôle à jouer, une mission, quelque chose de transcendant, plus que d'autres pays. Bon, en particulier la monarchie française, qu'on va voir aujourd'hui le plus Clovis, ça a quand même un sens très très important. Alors, on était resté la dernière fois à la guerre des Gaules, et à ces Gaulois qui avaient été en guerre contre les Romains, à la suite, bien sûr, de l'invasion des Romains dans le pays, et tous ces Gaulois qui étaient très divisés en tribus multiples, quelquefois rivales, mais quelquefois alliées, etc., avaient finalement devant, enfin, malheureusement, l'asservissement par un pays étranger, fait une sorte d'unité. C'est quasiment la seule fois qu'elle a existé sous les Celtes, hein, en se prenant un chef national et du coup devenu héros national, Vercingétorix. Alors, bon, l'un des meilleurs chefs de guerre, sans doute, hein, parmi les Celtes, et qui malheureusement a perdu, comme vous savez, et qui avait au début trouvé une tactique absolument exceptionnelle, qui était de faire la tactique de la terre brûlée, et donc de brûler toutes les villes, les villages, etc., les fermes, pour pas que les Romains se ravitaillent. Et donc, on a vu la dernière fois, hein, je le refais pas, parce que les Nuriens peuvent s'y reporter, d'avoir épargné quand même Bourges, Avaricum à l'époque, qu'il pensait imprenable, et donc la défendre pour pas vraiment raser une ville symbole, parce que c'était une ville symbole, hein, ce qu'on appelle le centre du monde, une ville centre. Les Bituriges qui habitaient cet endroit-là étant censés être les rois du monde, étaient surnommés les rois du monde, et non pas les rois la Gaule ou autre, donc un centre, parce que si vous prenez la Gaule de cette époque-là, en gros, Bourges est en plein centre. D'ailleurs, en gros, pratiquement aujourd'hui. Et si vous prenez tout le monde celte, qui allait jusqu'à la Belgique, aux Pays-Bas, une partie de l'Allemagne et l'Italie du Nord, etc., eh bien, Alésia, c'est le centre du monde celtique. L'Irlande d'un côté, etc. Donc, en fait, c'est des positions centrales et c'était fait pour, c'est pas par hasard qu'on mettait l'oppidum d'Alésia à tel endroit et Bourges à tel endroit. Même aujourd'hui, Bourges est censé être le centre de la France, en fait. Si on fait un calcul géographique, etc., c'est un petit endroit au sud de Bourges qui s'appelle Aliscan. Aliscan veut dire Campi Alice, ça veut dire Champs-Élysées. Donc les vrais Champs-Élysées se trouvent au sud de Bourges. D'ailleurs, la même étymologie quasiment qu'Alésia, où c'était Alice Campi, donc Champs-Élysées, qui veut dire en fait le royaume des morts, mais lieu des bienheureux. Donc de la vie après la mort, un lieu censé être une béatitude pour les morts qui sont aux enfers, bien entendu. Donc, ce qui correspond chez les Grecs à un endroit de l'au-delà qui s'appelait les Champs-Élysées, et chez nous, les Champs-Élysées, c'est un peu l'idée, hein, un lieu de béatitude post-mortem, etc. Et alors, curieusement, c'est là-dessus qu'on était resté la dernière fois, Vercingétorix a décidé de livrer les principales batailles. Enfin, il y en a eu trois, en fait. Une qu'il a gagnée, Jagovie, et deux qu'il a perdues, Avaricum et Alésia. Et on était resté là après moult péripéties que je ne raconte pas une deuxième fois. Le siège étant très éprouvant, la population et les femmes et les enfants étaient enfermés avec eux dans la forteresse, eh bien, ont dû se rendre à Jules César. Et donc, disons, l'indépendance de la Gaule s'est terminée comme ça. Et on était parti après pour une histoire potentiellement éprouvante, parce qu'on peut pas dire qu'on a vécu tous les malheurs sous l'Empire romain. Hein. Puisqu'après, à partir de l'empereur Auguste, donc avec Jules César, en gros, cette histoire de Jules César, c'était dans les années 50 avant Jésus-Christ. Après, on a eu 5 siècles d'Empire romain. Alors, forcément, ils ont été plus ou moins asservis. On est devenu des Gallo-Romains, c'est-à-dire des Gaulois mélangés avec des Romains, formant une nouvelle population. Mais un peu partout, on a conservé des traditions celtes. Il y avait des coins reculés où les fontaines, les bois avec des fées, etc. Et surtout en Bretagne, et puis on voyait toujours à l'époque beaucoup dans le paysage, hein,
des tas de monuments anciens, les menhirs, les dolmens. Et sources sacrées, petit patatin, du temps bien avant les Romains, étaient toujours dans le paysage. On a détruit des milliers de puits. Et il en reste quand même beaucoup qui permet quand même d'avoir un souvenir, soit de l'époque mégalithique, soit de l'époque celte, etc., etc. Alors, on va pas trop passer de temps sur les Romains, mais qu'ont apporté les Romains? Alors, ils ont apporté plusieurs choses qu'on pourrait qualifier de positives. Ils ont apporté l'ordre, parce que là, ça marche ou pas, hein, dans l'Empire romain, du temps où c'était pas la décadence, bien entendu, il y avait une administration très performante. Les Romains, c'est des grands spécialistes du droit, donc ils ont instauré la juridiction, etc. Tandis que les peuples celtes, c'était un peu la coutume, dans notre tribu, on fait comme ça, on se réunit entre guerriers, on décide de telle chose. Là, les ordres viennent de Rome. C'est répercuté par des échelons administratifs de grade à grade. Le dirigeant de province est ceci, ses employés administratifs font cela. Bon, c'est bien cadré. Alors, les Romains essayaient quand même, parce qu'ils avaient conquis quasiment tous les peuples de l'Angleterre jusqu'à l'Euphrate et en Égypte, vous voyez la taille de l'Empire romain, c'est de faire une unité déjà de leur empire. Alors, par la langue, c'était le latin qui était employé officiellement partout. Les gens parlaient, bien sûr, leurs dialectes locaux, etc. Mais le latin était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une langue officielle, une langue mondiale. C'est-à-dire, si on voulait faire carrière, si on voulait travailler dans l'administration, si on avait une affaire à débrouiller, un problème immobilier, un problème d'achat de terrain, ben, il fallait savoir lire le texte en latin et discuter avec les administrateurs en latin. Hein? Donc, il y avait un semblant d'unité par la langue et aussi par les constructions. C'est-à-dire que les Romains disaient, bon, on va rendre heureux, entre guillemets, les peuples que nous avons conquis. Donc, on va faire du ravitaillement, voilà. Il y a un essor économique. En gros, on va pas laisser mourir de faim la population. Et puis, comme le fait d'avoir du pain ou à manger ne suffira pas, on va créer des conditions de vie à la romaine. Donc, amenez-l'eau aux fontaines, amenez-l'eau dans les thermes. Donc, les grandes villes de l'époque, ce sont en Gaule ou ailleurs, hein, là, on parle de notre pays. Bon, on en retrouve, hein, dans les ruines, il y a toujours des thermes, toujours des fontaines, toujours des bassins, il y a des endroits, il y a des établissements de cure thermale, etc., développés. Beaucoup ça, hein. Et puis, il y avait le divertissement. Alors, le divertissement, c'était les théâtres, alors on retrouve partout. Les arènes ou le théâtre, bon, c'était le divertissement des endroits pour faire les courses de chars, etc. Alors, il n'y a rien qui ressemble plus à une ville romaine qu'une autre ville romaine. C'était le début de la mondialisation. Oui, alors, c'est toujours un forum central, place du marché, place publique, lieu de réunion, etc., etc. Les temples, alors, de Minerve, Saturne, Mercure, etc. Bon, l'arène, tout le monde sait comment c'est pour les combats de gladiateurs. Bon, le grand terrain pour les courses de chars, et bon, on le retrouve partout. Il y en a tout partout, nous on connaît très bien chez nous, Nîmes, etc. Donc, c'était des grands constructeurs, hein, les Romains, ils avaient d'avoir tous ces monuments, mais certains sont restés. Même en ruine, hein, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, le pont du Gard, par exemple, hein, qui est un aqueduc, mais bon, presque intact. Il y a même des villes dans le sud qui ont été détruites par des inondations il n'y a pas longtemps. Tous les ponts sur la rivière ont été emportés par les eaux, sauf le pont romain. Donc, c'était ce qu'on peut appeler du bel ouvrage. Voilà, c'est à la fois un travail de Romain et c'est du solide, quoi. Et voilà, alors les Romains exigeaient quand même une chose, c'était en politique, il fallait respecter les lois romaines. Sinon, les légions, les militaires, les soldats intervenaient là, passaient un très mauvais moment parce qu'on allait ramener sur les galères. C'était pas très drôle pour ceux qui étaient arrêtés. Nous, ben, on subissait des châtiments physiques, on travaillait dans les mines, dans les endroits où il y avait des bidons. On mourait au bout d'un temps assez court, etc. Et le culte de l'empereur, c'est-à-dire montrer son allégeance à l'Empire romain, c'était rendre un culte à l'empereur comme si c'était une divinité. Donc, on faisait des offrandes, des prières, des dons, je ne sais pas quoi. Alors, qui ne le faisait pas, bon, était censé être ennemi de l'Empire romain. Alors, pour pas entrer dans quelque chose qui ne dépasse pas la conférence de ce soir, c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Parce que les Juifs disaient, on ne reconnaît jamais un humain comme un dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est Yahvé. Donc nous, on ne fait pas de sacrifice à l'empereur. Là, c'est pour ça que vous avez les guerres de Judée. Bon, c'est-à-dire que c'était considéré, refuser le culte de l'empereur comme une rébellion contre Rome, quelle que soit la justification.
Donc on fait toujours passer les Romains pour des organisateurs, des constructeurs, des gens assez carrés, quoi, en gros, pas du tout le romantisme celte, des choses comme ça, avec des fées, des personnes qui font des rondes autour des chênes dans les forêts, c'est très, 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 très rationnel. Sauf qu'ils ont quand même fait une chose intéressante pour nous, c'est qu'ils permettaient à tous les cultes des pays qu'ils avaient conquis de continuer. En gros, on pouvait continuer à honorer des divinités celtes ou des divinités égyptiennes ou anatoliennes ou hispaniques ou autres dans l'Empire romain. C'était le début d'une laïcité, une forme de laïcité. Ouais, c'est-à-dire qu'on disait, ouais, même tant que vous vous occupez de vos cultes, de vos religions, vous faites vos offrandes à vos divinités, vous ne nuisez pas à la situation politique, vous enfreignez pas les lois, bah, c'est pas grave. Alors, il s'est passé quelque chose de très curieux, c'est comme si l'Empire romain était très, très entendu, et que les légions romaines et les soldats romains étaient déplacés. À un moment, on faisait un service en Grèce, puis on faisait un service en Égypte, puis on revenait en Germanie, puis on se retrouvait en Espagne, etc. Ou alors, quand il y avait un gros coup, ben, on mobilisait la 6e légion, la 10e légion, ceci, et les légionnaires changeaient de pays. Et ils avaient contact avec le pays en question, et il y en a toujours qui ramenaient un culte. D'ailleurs, et c'est comme ça qu'on a retrouvé, par exemple, le culte de d'Isis égyptienne dans tous les pays romains et en Occident. Et il y en avait un en Gaule. Ah, on avait un culte de Cybèle. On dit, mais qu'est-ce que vient de faire un culte de Cybèle en Gaule? C'est parce que les Romains qui étaient sur l'Euphrate, hein, ils ont ramené. Alors, vous voyez, c'est quand même assez assez surprenant, quoi. Et donc, ça continuait comme ça jusqu'au troisième siècle. Le troisième siècle a commencé à avoir des revers de ce qu'on appelle les fameux barbares. Ont commencé à passer les frontières. Il y avait l'Empire romain, puis tous les peuples extérieurs, dits barbares. Et de temps en temps, ces barbares franchissaient la frontière qu'on appelle le limes, c'est-à-dire la ligne. Hein. Bon, ils étaient très réprimés à l'époque et puis ils s'aventuraient pas trop longtemps dans l'Empire romain au IIIe siècle. Ils ont reflué, beaucoup ont été battus, etc. Mais alors au Ve siècle, c'est des invasions absolument gigantesques. Hein. Là, c'est archi submergé. Vous avez tout qui déferle sur l'Empire d'Occident. Hein. Vous avez les Vandales, les Burgondes, les Francs, les Visigoths, etc., etc. Hein. Donc tous quasiment des tribus germaniques. Bon, c'est tous des Germains, donc des peuples d'au-delà du Rhin et au niveau du Danemark, du nord de l'Europe. Alors, sauf un peuple qui est pas du tout germanique, qui est les Huns, les fameux Huns d'Attila. C'est un peuple totalement étranger au monde germain et même ennemi des Germains, qui a déferlé aussi sur tout l'Empire romain d'Occident. Donc, on en est là au 5e siècle. Ça se passe au 5e siècle. Ça s'appelle les grandes invasions barbares, hein, dans l'histoire. Et finalement, ça ruine quasiment totalement l'Empire romain. Donc, il va se casser en deux, parce qu'au niveau de l'Italie, puis toute la partie ouest, donc ça va devenir des royaumes barbares. Chaque tribu barbare va occuper plus ou moins un coin du terrain. Par exemple, les Visigoths vont occuper une partie de l'Aquitaine, la région Languedoc et l'Espagne. Bon, les Burgondes vont occuper la région ben, Bourgogne d'aujourd'hui, un peu plus au sud, vallée du Rhône, etc. Hein, les Alamans vont s'installer en Alsace. Bon, et nos fameux Francs vont occuper la partie nord, Belgique, jusqu'au Paris, centre, etc. Et la Bretagne va redevenir quelque peu indépendante. Donc, la Bretagne n'était pas, elle va être indépendante pendant pas mal de siècles. Donc, ça se passe comme ça au 5e siècle. Mais l'autre partie de l'Empire, où il y a la Grèce, la Roumanie, etc., jusqu'au Danube, et puis la Turquie actuelle et le Moyen-Orient, ça reste l'Empire romain d'Orient, qui s'appellera Empire byzantin. Donc, en gros, quand on dit l'Empire romain a disparu, il y a la moitié occidentale qui est disparue, mais pas l'autre moitié. Qui a changé de nom, mais c'est la continuation de l'Empire romain. La même culture, les mêmes savoirs. Alors, ça reste la même culture, les mêmes savoirs, sauf que ça va être chrétien. C'est-à-dire que, bon, le deuxième grand événement, à part les grandes invasions, c'est que tous ces endroits, aussi bien l'Occident, nous, avec nos tribus barbares, et l'Orient, sont chrétiens. En gros, le christianisme, dans les 4 premiers siècles, se répand et occupe la place de l'ancien Empire romain.
Une petite question, Michel. Est-ce que le christianisme a été amené sur le territoire de France par les Romains, ou est-ce qu'il est apparu au moment des invasions barbares, Ah avec non, ces invasions barbares? alors je vais en parler tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. En fait, ça date du 1er siècle et c'est pas les Romains qui l'ont amené, c'est j'allais dire des gens de Palestine, du groupe christique, qui, à la suite de Saint Paul et des apôtres, ont communiqué la bonne parole un peu partout dans l'Empire romain. Et bien sûr, les Romains sont devenus chrétiens, mais en gros, ça vient pas de l'Empire romain. Au début, c'était une force hostile. Le chrétien était l'ennemi que les Romains persécutaient et jetaient aux lions dans les Et arènes. pour les jeux du cirque. Donc alors, il y avait un début de christianisme. Je raconterai un petit peu comment après ça s'est passé, que ça a triomphé finalement. Le christianisme a triomphé. C'est le tournant en gros des religions païennes et la religion chrétienne, c'est le 4e siècle. Et voilà. Hein, donc en gros, pour résumer, la partie occidentale de l'Empire romain s'effondre. Hein? Donc il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de légion, il n'y a plus ceci, les quelques militaires qui peuvent encore rester au 5e siècle sont liquidés. Et tous ces tribus barbares qui ont envahi l'Occident, bien, occupent certaines Italies, les Vandales sont en Italie, traversent toute l'Italie, se retrouvent en Afrique du Nord qui était romaine aussi. Je vous dis, hein, tout à l'heure j'ai donné les Visigoths plutôt dans le sud, les Francs plutôt dans le nord. Et alors qu'est-ce qui va sortir de tout ça, dans la mesure où on a plusieurs royaumes barbares différents et indépendants les uns des autres et quelquefois rivaux qui occupent l'ancien terrain romain. Bon, alors. Les barbares qui vont émerger sont les Francs, dont leur grand chef, Clovis. Et donc, on refait démarrer l'histoire de France, qui ne s'appelle pas encore la France, parce qu'il n'y a pas de France. La fin de l'Empire romain refait démarrer l'histoire à Clovis et aux Francs. Donc, en gros, c'est la fin du 5e siècle. C'est 480 et quelqu'un Clovis ces années-là. Alors, en gros, on peut considérer Clovis, Clodoveg dans le langage franc, Clovis en latin, c'est notre premier roi. C'est le premier roi des rois de France, même si le pays, ça ne s'appelle pas encore la France, hein, mais royaume des Francs. Mais bon, alors, on ne peut pas raconter toute l'histoire des Francs. Grégoire de Tours a écrit une histoire des Francs, je ne sais pas combien de volumes, très arrangé, il faut bien le dire, pour justifier le peuple qui était maintenant dirigeant, hein, du pays. Donc, le fameux Clovis est très, très, très célèbre, bien sûr, pour le baptême. On dit, ben, qu'est-ce qui a fait que la France est devenue le premier royaume chrétien? Eh bien, le chef des barbares, Clovis, s'est converti au christianisme, il a été baptisé par Saint-Rémy, ben, justement. À Reims, comme tout le monde sait, pas la fameuse fantastique cathédrale que connaît aujourd'hui, n'existait pas. Une petite église qui pouvait y avoir à cette époque-là. Je vous rappelle, on est à 496. 496 ou 498 ou 99, selon les sources, au baptême de Clovis. Alors, ça s'est fait déjà d'une drôle de façon, parce que Clovis était païen, il adorait les divinités, du peuple franc, sauf qu'il avait une épouse très charmante qui s'appelle Clotilde, et Clotilde, pour X raisons, avait déjà été convertie au christianisme. Ah, c'est une femme assez influente qui pouvait dire quelque chose à son mari malgré l'époque. Elle a joué un peu le même rôle que l'épouse de Constantin. Donc l'épouse de Constantin avait l'empereur Constantin. Du début du 4e siècle, 313, etc., alors qu'il devrait livrer bataille à un ennemi qui est très, très incertaine. Bon, elle dit, ben, écoute, si tu demandes secours de Jésus-Christ et que tu fais peindre son signe, hein, la barbe sur les boucliers des soldats, tu auras la victoire. Lui, il ne croit pas trop, mais il le fait quand même, par principe, rien que pour voir, et il gagne. Et du coup, on dira quand même. Constantin se convertira au christianisme et puis tous les empereurs à sa suite, etc. Et là, Clotilde joue un peu le même rôle. Tu devrais invoquer Jésus et tu aurais la victoire. Et puis, bon, c'est ce qui se passe. Alors, comme Clovis gagne, ben, il dit ce Jésus-Christ, c'est très important.
Alors, on n'a pas d'explication de tout ce qui s'est passé dans sa conscience. On pense qu'il a hésité très longtemps, tout en sachant que le christianisme était en gros ce qui allait se répandre, ce qui gagnait par rapport aux religions païennes, et que, en fait, c'est sa tribu qui était composée de païens, qui continuait tous les cultes païens et dire, bah, écoutez, vous allez tous vous convertir au christianisme, c'est pas très, très, très probant. Donc, il a résisté tant que ce qu'il a pu. Là, il avait une excuse. Voyons, on a gagné. C'est plutôt à cause d'un nommé Jésus. Et donc, à la suite, il a reçu le baptême. Donc, ça s'est passé à Reims, hein, comme je l'ai raconté. Et du coup, 3000 guerriers aussi, hein, ont été, comment dire, baptisés en même temps, voilà. Alors, les 3000 guerriers sont, je sais pas combien de dizaines de milliers, hein, sont sans doute les grands chefs de famille, les grands chefs de tribu. Or, on a fait un baptême collectif, je sais pas comment ça s'est passé. Bon, pour Clovis, c'était un bassin, donc en pierre qu'on a construit exprès, etc., etc., qu'on a retrouvé dans des fouilles de l'ancienne cathédrale, il y a pas longtemps, pas trop longtemps, dans les années 80, hein. Alors, voilà un petit peu pour l'histoire de Clovis, les origines de notre royaume et France, fille aînée de l'Église, forcément, premier royaume d'Occident à devenir chrétien grâce à son chef, fille aînée de l'Église et tout ce qui s'ensuit. Et le roi vote un chrétien, évidemment, puisque tous les autres chefs étaient plus ou moins encore barbares, sauf les Visigoths, on verra après, qui étaient chrétiens. Une autre sorte de chrétien. Bon, oui. Alors, voilà. Hein, donc Clovis va faire quelque chose de particulier. Il va occuper au début le nord de la France. Les Francs sont centrés au niveau de Tournai. Donc c'est leur capitale, c'est Tournai, c'est en Belgique à l'époque, il y a une France du Belgique. Hein. Bon voilà, le Luxembourg, tout le nord de la France jusqu'à Paris. Au sud, il y a les Visigoths, en Bourgogne, les Burgondes, comme j'ai dit tout à l'heure, les Allemands en Alsace et en Allemagne. Ce qui est l'Allemagne aujourd'hui, et Clovis va décider de réunifier le pays. En gros, tout devrait redevenir franc, et il va faire la guerre à tous ses autres tribus. Donc, il va battre les fameux Alamans, ce qu'on appelle les Alamans, c'est une confédération de tribus germaniques qui donne naissance en sept des ce qu'on appelle Allemands aujourd'hui. Une gigantesque bataille qui s'appelle Tolbiac. Alors, il y a la diapo numéro 12. Voilà, sur la droite, vous voyez la bataille de Tolbiac. Alors, bien sûr, pas d'époque, hein, pas du 5e siècle. Hein. Mais bon, et les Francs remportent contre les Allemands, hein, une victoire sensationnelle. Tolbiac, c'est près de Cologne, il s'est né en territoire allemand aujourd'hui. Comme la station de métro s'appelle Tolbiac. Voilà, à côté, ben, par la même occasion, vous avez une représentation, hein, de Clovis, fils de Childéric. Bon, voilà, un peu comment. L'allure qu'on peut supposer qu'il avait. Voilà, donc on peut passer. Hein. Donc, va remporter une victoire sur les Allemands, une victoire sur les Visigoths à Vouillé, une victoire sur un personnage gallo-romain qui essayait encore de faire subsister une partie de l'Empire romain qui s'appelle Syagrius, et finalement, Clovis va presque regrouper tout le pays, sauf la Provence et la Bretagne. Malheureusement, il y a dans les coutumes franques quelque chose qui nous paraît bizarre aujourd'hui, c'est qu'à la mort du chef, eh bien, on divise ses possessions entre ses fils. En gros, le territoire est considéré comme une possession personnelle. Et si on a deux fils, on divise le royaume en deux. Si on a cinq, on divise le royaume en cinq. Et il se passe ce que tout le monde imagine qui peut se passer, que chacun veut plutôt récupérer les autres parties. On prend le roi le plus faible, eh bien on se groupe à deux pour la battre. On récupère son territoire, on se le partage. Et donc, au lieu de cinq, on en a trois. Puis quand il y en a deux, ben les deux. Donc, à un moment, ce fameux royaume des Francs était réduit à une partie qui s'appelait la Neustrie, une partie qui s'appelait l'Austrasie, et qui faisait des guerres, des règlements de compte, des éliminations de familles, des choses comme ça. Toujours mérovingien des deux côtés, hein. Etc.
Bon, et puis après, un roi qui était plus important que les autres, imaginez que le roi d'Austrasie était beaucoup plus important que les autres, il essayait de réunifier et de refaire le royaume de Colvis, donc c'était unitaire à un moment, il avait plusieurs fils à se diviser, et ça a été tout le temps comme ça. Oh, je t'entends plus. Attends, pour moi, petit problème de micro, là c'est bon. Oui, je te demandais, Michel, Clovis lui-même a eu plusieurs fils ? Oui, trois, je crois. D'accord. Trois, un Lothaire, un Ludwig, et je ne sais plus trois quoi. Oui, donc justement, ça a été divisé en plusieurs états, hein, et regroupé par la suite. Voilà, les rois mérovingiens s'appellent Dagobert Ier, c'était plus ou moins réunifié. Puis lui, il y avait plusieurs fils, ça s'est recassé. Bon, on ne fait pas toute l'histoire parce que c'est d'une complication inouïe. De toutes ces batailles, règlements de compte, récupération de fiefs, de morceaux de territoire, d'échanges, de mariages, de trucs. On mariait une princesse avec un prince du camp d'en face. On refaisait des distributions de territoire. Quand on gagnait une bataille, on refaisait un traité, on redistribuait. C'est hallucinant. Mais ça, c'est l'histoire officielle normale qu'il y a dans une histoire classique des Mérovingiens. Alors, quand on est dans l'histoire mystérieuse, en quoi c'est étrange comme histoire. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, l'origine. On se dit, ben, c'est bien beau qu'il y ait des Francs, mais d'où ils viennent? Alors, la réponse est simple. Ben, ils étaient au nord de l'Empire romain. Ils ont déferlé sur l'Empire romain au 5e siècle. Sauf qu'il y avait pas mal de siècles qui étaient là. Hein. Et donc, en fait, ils avaient, au début, ils étaient l'ennemi des Romains. Et après, ils ont servi les Romains. C'est-à-dire ces Francs qu'on pense être une puissance d'invasion étaient installés à l'intérieur de l'Empire romain. C'est-à-dire du temps où l'Empire romain existait encore, entre le Rhin et le nord de la France, c'est-à-dire tourner l'équivalent de l'île aujourd'hui, etc., il y avait les tribus franques que l'empereur de Rome avait autorisé à s'installer. Donc en fait, quand on dit ils ont déferlé sur l'Empire romain, en clair, ils étaient déjà à l'intérieur. Et pourquoi? Sur les terribles ennemis, les ennemis, c'était les Germains, et des féroces barbares, et que les Francs étaient quand même beaucoup plus civilisés. Donc il y a eu une sorte de tractation, vous pouvez vous installer à l'intérieur des limites de l'Empire, mais vous servez de garde du Rhin. Donc ils ont monté la garde du Rhin, mais pour les Romains. Oui. Ils ont fait tampon entre... Voilà, c'était un peu... À la fois, ils ont tampon géographiquement, à la fois le peuple tampon, mais bon, les Francs étant les Francs, n'ont pas fait allégeance à 100% en point d'obéir tout le temps aux Romains, etc., etc. Et donc, quand on dit, ben, Clovis a pris le pouvoir, et puis, bon, ben, c'est cet endroit-là, on dirait qu'il se préparait déjà depuis longtemps. En gros, ça faisait déjà, depuis le 3e siècle, que les Francs disaient que si un jour l'Empire romain s'écroulerait, c'est eux qui prendraient leur place. Ils étaient déjà dans la place, comme on dit. Ils étaient déjà à l'intérieur. Et alors, et ces Francs, justement, comme ils avaient déjà combattu les Germains, ben, continuaient à combattre ces fameux Alamans, tribus, machin, Burgondes, qui sont des Germains aussi. Alors, on ne s'explique pas comment, parce qu'on dit, dans nos livres d'histoire, ben, les Francs, c'est une tribu germanique. Ben, les autres aussi. Alors, quand Clovis bat les Visigoths, les Visigoths sont Germains, puis lui aussi. Alors forcément, on a cherché un petit peu qu'est-ce qui pouvait faire un clivage entre tribus du même genre. Ah ben, ils ne sont pas vraiment du même genre. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Et pour expliquer ça, il faut revenir à l'origine, vraiment origine. C'est-à-dire avant d'être à cet endroit-là, où étaient les Francs dans des siècles, des siècles avant. Alors là, les hypothèses vont bon train. Vous avez, en fait, l'origine au niveau de la Turquie actuelle. C'est-à-dire, en gros, d'une province qui s'appelle la Phrygie, d'une province qui s'appelle la Galicie, d'une province qui s'appelle la Tauride. Certains disent même de la ville de Troie. D'Achille et de Hector et de la guerre de Troie de l'Antiquité, hein. De la Thrace, c'est-à-dire la partie turque d'Istanbul aujourd'hui, et une partie en Grèce. En gros, c'est une tribu franque, une partie en Grèce qu'on appelle l'Arcadie d'ailleurs, qui est très connue dans l'histoire de Red de Château. Alors, si les Francs avaient une origine, au moins des groupes, de l'Arcadie, d'autres de Tauride, d'autres de Phrygie, la Turquie, en gros l'Anatolie. Curieusement, ils étaient à la même place que les Celtes des temps d'avant.
Et aussi, on dit, oui, mais l'origine des tribus celtes, c'est un peu l'Orient, c'est un peu le Caucase, c'est un peu la Phrygie, il y a la Galicie, en Turquie, c'est la terre des Galates. Alors, on avait déjà des Celtes, puis on a eu des Francs, puis c'est le même endroit, c'est le même endroit. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des contacts avec des descendants Galates, etc., Galiléens, des Celtes, dans cette région-là, avec les Francs? Ce qui fait qu'on pense que les Francs étaient plutôt dans les mœurs des Celtes que dans les mœurs des Germains. La civilisation franque ressemblerait plus à la civilisation celte qu'à la civilisation germanique classique. D'où un petit peu le clivage et d'où le fait qu'il soit plus ou moins lié à l'Empire romain et plus facilement converti au christianisme. Alors forcément, c'est très curieux comme origine, nié par la science officielle, parce qu'on dit, mais quelle preuve vous avez que les Francs viennent de Phrygie? Ben, la preuve. Sauf si on dit, pendant la Révolution française, on a pris comme symbole de la liberté le bonnet phrygien. Donc, c'était la mode en Phrygie, dans les temps antiques. Hein, donc, vous voyez bien, il y a un rapport, bon, etc., etc. Alors, comme les Francs, ça veut dire homme libre, hein, parce qu'on dit toujours les Francs, c'est qu'ils sont Francs, c'est la franchise. Non, à l'époque, le mot voulait pas dire franc, mais brave. C'est-à-dire courageux, héroïque, un guerrier, etc., etc. Et donc le bonnet phrygien, c'est le symbole de l'affranchissement. Donc l'esclave affranchi mettait le bonnet phrygien pour montrer qu'il avait retrouvé la liberté. Donc en fait, Clovis, c'est le roi des hommes libres. Alors par rapport aux autres, il y a un chef qui marche en randonnée, etc. Donc il y a une origine, voyez, très curieuse. Alors bien sûr, on dit, mais alors comment ils se sont retrouvés à tourner? Parce qu'à un certain moment, pour X raisons, peut-être de famine, de bataille avec d'autres peuples, serait remonté le long du Danube, serait arrivé au niveau de la mer Baltique, serait redescendu vers la Belgique actuelle. C'est tout un itinéraire. Mais à l'époque, contrairement à ce qu'on pense en histoire officielle, les peuples se déplaçaient beaucoup plus qu'on ne croyait. Et en fait, ils suivaient ce qu'on appelle la route de l'ambre. C'est-à-dire dans les temps les plus anciens, même à la préhistoire, à partir de la Scandinavie, eh bien, on commerçait l'ambre vers les royaumes du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'on faisait? On descendait le Danube, on passait la mer là, on arrivait au niveau d'Antioche de la Palestine, on ravitaillait un peu les Égyptiens, etc. Bon, et donc cette route était archi connue. On suivait le Danube et le Rhin et on remontait dans le nord de l'Europe. Donc il y a, en gros, je dirais presque rien de mystérieux, sauf qu'on n'a aucune preuve. C'est ce que je disais tout à l'heure au début, hein. Voilà quelque chose qui paraît logique, mais on n'a pas de preuve matérielle, hein. Alors c'est déjà une chose, vous voyez, quant à l'origine. Alors la deuxième chose, c'est leur nature. Ces rois francs, mais qui sont en fait des Mérovingiens, parce que leur ancêtre est Mérové, hein. C'est-à-dire qu'il y a un Mérové comme ancêtre qui engendre un Chilpéric qui est père de Clovis. Donc Mérovée serait le grand-père de Clovis. Alors voilà, oui, c'est Passerelle, c'est le grand-père de Clovis, qui lui-même a un ancêtre qui s'appelle Clodion, donc on n'a pas de trace historique, donc on fait partir la dynastie dite mérovingienne à Mérové. Et pour l'instant, on n'est pas les rois des Francs, mais ils gouvernent encore rien de notre pays, hein, parce que c'est Clovis, mais c'est le petit-fils, oui. Hein. Alors, ce fameux Mérové, son nom bizarroïde veut dire né d'un veau marin. Né d'un veau marin. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quelqu'un qui est né d'un veau marin? Parce que ça veut dire quelque chose d'aquatique, quelque chose lié à la mer. Bon, on sait pas trop. On sait pas trop. Hein. Alors, ces Mérovingiens, donc, ont déjà une origine très curieuse par la géographie, par Mérovée. Et alors, on leur donnait un surnom. Bah, vous avez vu l'image de Clovis tout à l'heure. Je dirais, mais il y a beaucoup de rois qui avaient un peu cette allure-là. Et les Mérovingiens, c'était typique. On les surnommait les rois velus ou les rois chevelus. Il ressemble aux Gaulois avant ça. Alors, ils ressemblent un peu aux Gaulois qui avaient, ben, comme Vercingétorix, hein, les cheveux longs, mais aussi une barbe, hein, assez longue. Alors, on a cherché, bien entendu, on s'est dit, bon, pourquoi on les appelait comme ça? Alors, pour leur aspect plus ou moins physique, mais dans les tombes, quand on trouve des corps pas trop décomposés ou des images anciennes, on s'aperçoit que les Mérovingiens n'avaient pas de barbe et des cheveux longs, mais sauf l'élite. C'est-à-dire, il y a une élite, un chef, en gros, qui appartenait sans doute à une catégorie spéciale, avait ses attributs physiques. Alors, il y a une symbolique des cheveux, parce qu'on dit pourquoi il faut mieux avoir les cheveux longs que les cheveux courts. On considérait que c'était une horreur de se raser les cheveux. Hein, quand on voulait punir
un chef mérovingien qu'on avait pris, on lui rasait la tête, c'est l'humiliation sans nom, hein, de ne plus avoir de cheveux. Alors, il y a une tradition qui voudrait que la puissance est dans la chevelure. Les Indiens ont la même, conception, les Indiens d'Amérique, ont les mêmes... Ah ouais, parce que les cheveux, bon, c'est au sommet du crâne, ce qui est le plus en contact avec le ciel, avant l'os lui-même, et puis les cheveux capteraient telle ou telle onde, etc. Donc la puissance viendrait par les cheveux, et tout le monde connaît la fameuse histoire de Samson. Alors, on ne sait pas si les Mérovingiens les connaissaient ou pas, mais Samson perdait tout pouvoir quand il n'avait plus de cheveux. Alors la fameuse Dalila s'en était aperçue, et pendant son sommeil, il lui avait coupé les cheveux. Et puis après, elle avait appelé les Philistins, ses ennemis, qui s'en étaient emparés. Lui, il n'était pas capable de les combattre. Hein. Et donc, ils l'ont emporté, emprisonné. Et puis après, on dit, on va l'offrir au colibé de la foule. Donc, il l'avait attaché entre deux colonnes d'un temple avec des chaînes. La population venait l'humilier. Et puis, pendant des semaines, ça durait comme ça, sauf que ses cheveux repoussaient. Et quand ses cheveux repoussaient, il a tiré sur les chaînes, ébranlé les colonnes du temple, et tout le temple s'est écroulé sur les Philistins, et il est mort lui-même. Mais bon, et on s'est dit que bon, il y avait au moins dans la Bible trace du pouvoir des cheveux. Puis on sait en Orient que chevelure des femmes, c'est, on doit mettre le voile pour pas faire de l'attirance par la beauté des chevelures. Donc il y a quelque chose dans les cheveux. Une symbolique derrière les cheveux. Il y a un symbolique des cheveux, et donc c'était tradition chez eux. De conserver le cheveux longs et la longue barbe. Au moins, chez les princes, les chefs, les généraux, enfin, toutes ces personnes-là. Et autre caractéristique, c'est plus curieux, c'est qu'ils étaient censés avoir une double colonne de poils le long de la colonne vertébrale. En gros, une sorte de velouté blond-roux, parce qu'ils étaient un peu blond et blond cendré, un peu comme couleur de cheveux. Donc là, c'était des poils, un duvet de poils le long de la colonne vertébrale. Alors, c'est une marque distinctive, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. Une sorte de sillon de cheveux roux là, dans la colonne vertébrale, donc un roux sillon. Alors, comment on retrouve les Mérovingiens dans le Roussillon, on s'est demandé s'il y a pas un rapport, parce qu'on va retrouver nos Mérovingiens dans l'histoire de Rennes-le-Château. Alors, c'est une histoire invraisemblable. Alors, jamais prouvé, parce qu'on dit qu'on retrouve une tombe, qu'on retrouve un squelette, ben, comment vous voulez qu'on prouve qu'il y a une rainure de poils roux, 6000 poils en dessous des pores, vous savez, une sorte de filin. Comment ils avaient ça? Est-ce que c'est une malformation physique? Est-ce que c'est un trait distinctif? Est-ce que c'est quelque chose? Et on disait aussi une marque rouge au niveau du cœur. C'est-à-dire l'équivalent du petit carré de 1 cm carré, une tache rouge au niveau du cœur. Donc ils auraient été marqués en quelque chose pour leur mission, leur rôle, enfin leur préséance, je sais pas quoi, le fait qu'eux se croyaient des maîtres, des maîtres du monde, etc. Donc, en tout cas, eux croyaient vraiment qu'ils étaient une race supérieure par rapport à tout. Encore. À tous les autres peuples. Hein. Il y avait les Francs et puis les autres. Hein. Donc, et alors, c'était reconnu que les Francs étaient quand même un peu particuliers. Ils n'avaient pas, bah, ils dominaient pas tout, mais il y avait comme on leur reconnaissait comme un rôle dominant. Mais c'est de là que viendrait quand même la fameuse arrogance du peuple français. Ah, c'est possible aussi. Parce que les Francs, du temps où ils étaient intégrés à l'Empire romain, là, comme je vous disais, et qui les aidaient un petit peu à garder le Rhin, eh ben, il y a deux choses qu'ils ne pouvaient pas supporter, c'était l'omniprésence de l'État et de payer des impôts. C'est très français tout ça. Ils sont tout à fait nos caractéristiques parce que ça nous est resté. On dit que ça vient des Gaulois, un petit peu l'esprit anarchisant, polémique, etc. Mais là, les Francs, c'est dans les chroniques que ce qui supportait pas des Romains, c'était la mainmise de l'État, surtout l'administration, machin, et toujours devoir payer des redevances, des taxes pour ceci. Bon, ils le faisaient quand même parce que pour l'instant, ils ne dominaient pas les Romains les dominaient. Mais bon, je veux dire qu'on avait déjà ces tendances-là. Donc ils disaient, voyez, on n'est pas un peuple comme les autres. Alors, il y a des thèses beaucoup plus extrêmes. Thèse beaucoup plus extrême, c'était une tribu qui aurait échappé du déluge. Bon. Et des gens qui auraient échappé à la destruction de Troie.
Donc, quand il y a eu la destruction de Troie, que les Grecs ont pris Troie, contrairement à ce qu'on pense, il y a des personnes qui ont réussi à se sauver, dont le fameux Aîné, qui sera allé dans l'Asium en Italie et qui sera à l'origine de Rome, sous Jules César, revendiqué Aîné dans ses ancêtres, plus ou moins fictif, mais ça faisait très bien de se réclamer d'Aîné. Eh bien, les Francs aussi, ils se réclamaient d'un prince mérovingien qui s'appelle Francus. Non, mérovingien, Troyen, pardon. Alors, comme Troie, la Troade, bon, c'est là, près de la mer Noire, on retrouve en fait la même zone dont je parlais tout à l'heure. Puis d'autres vont encore plus loin, ce seraient des descendants, donc des tribus virantes, d'après des juges, survivants, donc, comment dire, pas à Sumer, mais enfin de la civilisation qu'il y avait avant, qui occupait Globiki Tepe, là, l'arche de Noé s'étant échouée sur le mont Ararat, eh bien, c'est le même coin, si vous êtes en Tauride, si vous êtes en Phrygie, vous êtes juste à côté de ce mont Ararat, à côté de Globiki Tepe, donc le grand sanctuaire, là, qui a 11 000 ans, là, qui est dans ce coin-là, est-ce que ce serait des survivants de ces civilisations-là et d'avant le déluge? Là, on n'a aucune preuve, hein. Mais c'est des thèses qui sont lancées à droite, à gauche. Alors voilà, alors dans leur symbole, ils avaient aussi des choses très très curieuses. L'abeille, alors il n'y a rien de curieux d'avoir l'abeille comme symbole, mais ça viendrait des Mérovingiens qui utilisaient beaucoup dans les dessins, les sculptures, etc. L'abeille, bon, l'abeille est très importante, hein, c'est lié au soleil. Toujours le culte du soleil. Voilà, toujours, puisque, bon, elles butinent les fleurs, elles font le miel a la couleur du soleil, c'est la lumière. Bon, donc, voilà, c'est le sens de l'organisation, parce que bon, les abeilles vivent en ruche, elles sont très organisées, c'est le travail, c'est, bon, c'est un symbole très, très important. Et quand on a retrouvé la tombe de Chilpéric, le père de Clovis, par le plus grand des hasards, au XVIIe siècle, en faisant des travaux, on est tombé sur un caveau, une voûte, on a ouvert le sarcophage et il y avait une inscription sur la tombe et c'était « Chilpéric, roi des Francs ». Donc on a su que c'était vu la datation, etc. Alors c'était une tombe d'une richesse inouïe. Hein. Lui-même avait, forcément, elle était plus en état de composition physique, hein, mais il y avait une tunique, on a retrouvé des morceaux désagrégés, c'était une très 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 belle étoffe, il y avait un manteau de pourpre rouge, etc. On a retrouvé des objets en or de toutes sortes, et on a retrouvé 300 abeilles en or. Les petites, de la taille des vraies abeilles, 300 abeilles en or. Donc ça montrait d'abord cet attachement au symbole de l'abeille et la richesse, puisque c'était forgé en or. Un certain ont dit que c'était pour des abeilles, mais je ne sais pas quel truc, peut-être des fleurs de lys. Quand on voit les images, on ne ressemble pas vraiment à une fleur de lys. Mais bon, alors ce trésor qui avait été trouvé à Tournai, justement, la capitale des Francs, avait été par le roi de cet endroit-là, quand ça a été trouvé, l'a offert à Louis XIV. Parce que les Francs, c'était la France. Donc, ça a été retransféré au roi de France de cette époque-là, parce que je crois qu'on a trouvé cette chose-là, du temps de Louis XIII ou de Louis XIV. Et après, le trésor a été volé. Il a été volé plus tard, au XIXe siècle. On n'a plus que maintenant que quelques abeilles et quelques bijoux en or et quelques bagues qui sont dans un musée. Je ne sais plus trop lequel. Hein. Donc, vous voyez, on en est là. Deuxième symbole qui est très important, qui aura un avenir beaucoup plus important que l'abeille, c'est la fleur de lys. Sur le bouclier de Clovis, il y avait un fond d'azur avec un semis de fleurs de lys en or. Donc, on s'est dit, vous rattachez aux fleurs de lys, qu'on appelait à l'époque aussi iris des marais, et on s'est dit, ben, l'iris symbolise les quatre éléments, parce que l'iris a ses racines qui poussent dans la vase, il passe dans l'eau et épanouit ses fleurs à la surface de l'eau, et là, il est exposé à l'air et au soleil, donc à l'air, au feu, l'eau et la terre, hein. La plante symbolise les quatre éléments. Et comme elle est en forme de trois pétales stylisés, elle fait vraiment symbole trinitaire, elle fait trident, elle fait le nombre trois, et etc. Puis en cherchant, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de peuples qui avaient la fleur de lys comme symbole. Il y en avait sur les étendards égyptiens, il y en avait à Babylone, il y en avait en Israël. C'est le symbole de la Vierge. C'est-à-dire que le blanc du lys, c'est la pureté.
Donc la Vierge a deux fleurs très symboliques, hein, la rose et la fleur de lys. Fausse fleur. Ce serait plus une référence. Ça veut dire fleur des fleurs. Alors bon, bah, bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de Vierge Marie du temps des Mérovingiens, même si surtout c'était avant le christianisme, il y a déjà comme symbole la fleur de lys. Et vous savez qu'après, même quand il n'y aura plus de Mérovingiens, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le blason de la France qui est avec les fleurs de lys. Sauf qu'après, on en a mis trois. On a mis fond d'azur, c'est bleu, avec trois fleurs de lys en or, disposées deux en haut, une en bas, hein, sur, en triangle. On va faire un chiffre 3 avec le fleur de lys. Mais certains ont dit, bon, mais c'est peut-être qu'ils ont fait allusion, est-ce qu'il y avait une origine aquatique ou des fonds marins ou je ne sais pas quoi, qui avait une symbolique du crapaud. Alors, c'est pas très habituel d'avoir un symbole là, hein, dans les symboles, dans l'histoire des symboles. Il paraît que sur certaines images des enluminures médiévales, on voit Clovis avec une robe jaune au-dessus de son armure et avec des crapauds dessinés dessus. Là, on n'a pas tellement d'explications. Alors, en parlant justement de ce symbole qui renvoie à l'eau, une remarque d'Audric sur le fil de discussion, pour revenir sur Mérové et cette fameuse appellation « née d'un veau marin oui. ». Je faisais référence tout à l'heure à cette hypothèse un peu poussée, comme quoi les Francs seraient les descendants des survivants du déluge. Donc, peut-être qu'on peut y voir un lien entre ce « né d'un veau marin ». Il y a peut-être un rapport, oui. Exact. Merci Audric pour... Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, quelques caractéristiques très curieuses de ces Mérovingiens. Une autre, c'est Saint Radegonde. Alors, personne n'a jamais entendu parler de Saint Radegonde. Il y a l'image, hein, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Ça doit être numéro 13. Alors, une sainte totalement inconnue, mais qui a un rôle très important. Voilà, on la voit. Alors, c'est une statue plus ou moins contemporaine. Hein. Sur un tombeau qui lui a été fait, c'est pas la statue d'époque. Alors, pourquoi Sainte Radegonde a une importance particulière? Eh bien, parce que c'est une reine qui est devenue religieuse. Alors, c'est une dame qui était originaire d'un pays d'Allemagne qui s'appelle la Thuringe et qui avait épousé un fils de Clovis, justement, Lothaire. Alors, en fait, c'était un butin, c'est-à-dire qu'elle a été prise dans un lot de prisonnières. Et comme elle était très belle, l'auteur en question l'a pris pour épouse. Elle est arrivée à la cour de France avec son petit frère. Et ce fameux l'auteur n'a pas eu d'autre idée que d'assassiner ce petit frère. Donc, elle a trouvé que c'était une cour de criminels. Elle s'est sauvée, elle était rattrapée par les gardes. Et voilà. Mais après, elle a pu plus supporter son mari. Donc, a mené une vie de sainte, en gros. Elle aidait les pauvres, elle soulageait les malades, elle faisait des tas de choses. Et elle a fini par se retrouver dans un monastère où elle n'a pas voulu devenir supérieure hein, du couvent parce que elle voulait rester fondamentalement humble et comme les autres. Hein, alors qu'on l'appelait la reine parce que c'est une ancienne reine, on l'appelait la reine, bien sûr, jusqu'à à sa mort. Alors, bon, forcément, elle faisait tout ce que font les saintes de toute l'histoire religieuse, hein, c'est-à-dire des prières, des secours aux pauvres, des chasser les démons, des possédés, etc., etc. Hein. Mais aussi, puisqu'elle était reine et qu'elle avait vu ce qui s'était passé à la cour de France, prier pour le royaume de France et faire en sorte que les grands chefs de la chrétienté ne se querellent plus. Alors, quand on voulait qu'il y ait la paix après une guerre, on invoquait Saint Radegonde, on allait à son monastère, on faisait des prières, et cette chose a duré jusqu'au Louis XIV. C'est-à-dire que même Anne d'Autriche, à un moment où le petit Louis XIV a été malade, n'a pas trouvé mieux que d'aller, je crois que c'est à Poitiers où il y a la chapelle Saint-Radegonde, ou l'église Saint-Radegonde, d'aller prier pour la santé de Louis XIV, et Louis XIV a guéri. Donc on a attribué à l'intervention de la sainte le sauvetage du roi, du coup le pèlerinage est remonté d'un cran, bien entendu, et c'est tombé qu'en désuétude qu'à la veille de la Révolution. Hein. Alors, comme on n'a pas beaucoup de reines qui sont devenues saintes, parce que je crois qu'il y en a trois, il y a la fameuse sainte Clotilde. Comme bien sûr, elle a converti Clovis, elle est considérée comme sainte, c'est sainte Clotilde. Et il y a une sainte Radegonde totalement inconnue, bien sûr, dans l'histoire politique et religieuse. Et il y en a une troisième qui s'appelle sainte Jeanne de France, mais c'est une autre époque. Alors, sur le côté, à la chapelle, vous avez...
quelques miracles et interventions de Sainte Radagonde. On voit dans le milieu qu'elle relève une mourante, etc. Qu'elle rencontre la Vierge, un dialogue avec la Vierge. Alors on trouve la fameuse la fleur de lys, vous voyez, en bas, et tout autour, là, telle qu'on le faisait à l'époque, on voit bien que c'est le symbole trinitaire. Voilà, donc son sanctuaire existe encore, est à Poitiers. Il y a une église de Sainte Radagonde. Bon, voilà, vous voyez, une gloriosité de les Mérovingiens. Alors, maintenant, forcément, le plus important, c'est comme il n'y a plus de Mérovingiens à partir d'une certaine époque, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a pu leur arriver? Alors, la fin est un peu spéciale, parce que vous savez qu'on a beaucoup traité les Mérovingiens de rois fainéants. Par l'histoire, on dit c'est les rois fainéants. On les représente sur les images, bras allongés sur des coussins dans un chariot traîné par des bœufs et allant de ville en ville dans leur royaume. Alors bon, c'est très curieux. Et en fait, il y a une partie vraie, c'est-à-dire qu'ils ne gouvernaient pas vraiment. Bon, ils laissaient le pouvoir à ce qu'on appelait des maires du palais, c'est-à-dire au début, c'était des gouverneurs de différentes provinces qui s'occupaient des affaires administratives. Certains sont devenus très, très importants. Et celui qui s'occupait de la gestion directe et réelle du palais, il était encore plus important, d'où son nom de maire du palais. Mais c'était en même temps un chef militaire, l'équivalent d'un premier ministre, etc. Et au fur et à mesure, était plus ou moins monté en importance, au point d'être plus chef que le roi mérovingien, qui, du coup, ben, lui, s'occupait de promenades ou d'autres choses, et appelait roi fainéant, entre guillemets, plus ou moins péjoratif, hein. Bon, le fameux Charles Martel qui bat les Arabes à Poitiers, qu'on connaît en 1632, 732, il était maire du palais, d'un roi mérovingien. Bon, je sais plus lequel, hein, mais, voilà. Et Charles Martel était roi du palais. Était maire du palais, oui, oui. C'est-à-dire, en gros, chef militaire, entre autres exploits, il a fait deux exploits, le deuxième n'en est pas un. Le premier exploit, c'est bat les Arabes à Poitiers, entre guillemets, hein. Une avant-garde d'une troupe arabe montée jusque sur Poitiers, mais pour sa gloire, ça a été très bien. Et après, c'est lié à l'histoire que je vais raconter maintenant, et c'est moins glorieux. Parce qu'on peut traduire aussi mérovingien, roi fainéant, fainéant en deux mots, c'est-à-dire, envoyés au néant. Ils ont été faits néant, envoyés au néant. C'est-à-dire, en gros, c'est leur élimination. C'est-à-dire, ces maires du palais qui vont donner naissance ensuite à la dynastie des Carolingiens, eh bien, vont essayer de les faire passer à la trappe. Alors, il y en a qui sont assassinés, il y en a qui sont mis en monastère, etc. Il y a tout un tas de règlements de compte de toutes sortes pour toujours éliminer quelquefois des familles entières. Hein. Et alors, l'histoire la plus extraordinaire, c'est l'histoire de Dagobert II. Donc, il y a un Dagobert premier qui est très connu, c'est celle de la Sainte-Éloi, le roi Dagobert qui a mis sa culotte en l'envers, la chanson populaire. Oui, c'est Dagobert, le Dagobert premier qui est très connu, et le Dagobert II est totalement inconnu, et Dagobert II a été assassiné aussi sur l'ordre d'un futur carolingien, hein, qu'on appelle un pépin quelque chose, hein, la dynastie des pépinides, maire de palais, qui voulait convoiter les royaumes mérovingiens, bien entendu, ce fameux roi Dagobert autour d'une chasse dans la forêt de Stenay, pas loin des Ardennes, de la Meuse, dans ces coins-là, a reçu une lance dans le dos, était frappé dans le dos, était tué. Bon, on a pensé que celui qui a fait le coup, ben, c'est un homme de main, mais au nom de Pépin des Ristals, qui est bien sûr la future dynastie des Carolingiens, avait éliminé quasiment l'un des derniers rois mérovingiens existants. Sauf que quand les secours sont arrivés, que ce pauvre roi Dagobert était gisant dans l'herbe, etc., il n'était pas encore mort. Et donc, il a dit, il y a mon fils qui est caché dans les forêts. Et donc, ils sont allés chercher dans un panier le fils qui était caché dans les forêts. Ça fait un peu Moïse sauver des eaux, mais enfin bon. Et comme, bon, forcément, la cour des assassins, le pépin l'a su, on a voulu intercepter ce petit garçon héritier, toujours des Mérovingiens, mais il y a un gros qui l'a enlevé, et qui l'a emmené dans le Razès, ce qu'on appelle la province de Razès, c'est-à-dire la province de Rennes-le-Château. Et c'est comme ça que les Mérovingiens sont liés à l'Ariège, au Roussillon et à la province de Rennes-le-Château.
Alors certains vont dire pourquoi on est passé de Stenay aux Pyrénées, en haut, à l'Ariège, au sud de la France et le coin de Rennes-le-Château. Un endroit géographique qui s'appelle le Razès. Parce que ce Dagobert, il lui est arrivé des sales tours. Il avait d'abord été pris, enlevé et envoyé en exil en Irlande dans un monastère. Et puis là-bas, il était sorti du monastère, il avait épousé une dame. En France, on avait fait courir partout le bruit qu'il était mort, donc plus personne n'avait entendu parler. Puis quand sa femme est morte, il était un peu plus ou moins désespéré. Il a dit « je retourne dans ma patrie d'origine », puis il est revenu. Quand tout le monde l'a vu, c'était le roi légitime qui revenait. Les autres, ils avaient pris sa place là-bas. Place, ils ont dû la céder, et du coup, la seule façon qu'il y avait, c'était de l'éliminer. Et avant qu'il soit assassiné, il avait épousé en deuxième noce Gisèle de Razès, qui est donc une Gisèle du Languedoc, coin du sud. Donc il avait une famille d'origine du côté femme, par là. Et donc pour que le petit enfant échappe à l'assassinat, bah, c'était de l'envoyer aussi loin là, pour aller le rechercher. Donc ça se passe en 679. Et 681, donc ces deux années-là, des dates qu'on retrouve dans l'histoire de Rennes-le-Château, bon, qu'on transforme en 1679, en 1681, mais ça fait allusion à cette histoire-là, parce qu'il y aurait une dynastie secrète survivante des Mérovingiens. Ah, c'est une grande thèse. La première race des Trois de France, seule vraie légitime, parce que tous les autres ont usurpé leur place, qu'on croit éteinte, ah, une dynastie secrète. Descendante, forcément, là, vous brodez tout ce que vous voulez. Je ne sais pas s'il faut que ça, parce qu'il y avait vraiment là-bas des comtes du Razès, ils sont entre guillemets des Mérovingiens, qui ont continué jusqu'à je ne sais pas quel siècle. Donc, c'est quand même très, 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 très important comme histoire, et plus ou moins vrai. Alors, Stenay, bon, c'est lié, Rennes-le-Château, donc, puisque les deux histoires sont liées. Hein. Alors, un jour, on a fait des fouilles à Stenay. On s'est dit, on a voulu construire une église, je sais pas quoi. Et on a retrouvé des tombeaux aussi. Et c'était des tombeaux droits mérovingiens. Et alors, on a trouvé une curiosité absolument incroyable. On a trouvé dans le tombeau une table, donc une table en pierre, avec des sarcophages, des animaux, d'autres choses. Il y avait une table en pierre. Il y avait trois rois mérovingiens, bien sûr, décédés, mais debout à la table. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en sarcophage, ils étaient assis. Et quand on a voulu les approcher, le mouvement d'air et le contact a fait volatiliser les corps. Alors, on ne sait pas quel sens ce rituel avait d'asseoir les gens à une table dans un tombeau. Quoi. C'est bon. Ah oui, j'en ai jamais entendu parler de cette sorte de rite funéraire. Alors, je ne sais pas si c'est un rite funéraire ou autre chose. Toujours est-il, alors bon, bah forcément, l'air, je veux dire, a décomposé des corps maintenus artificiellement, je ne sais pas comment, tu vois. Puis on a trouvé un sarcophage, il y avait un squelette de 3 mètres dedans. Alors on s'est dit, tiens, il y a un géant encore. Les géants qu'on ne retrouve jamais. Vous savez, quand on dit qu'il y a une race des géants sur la Terre, oui, mais on ne retrouve jamais de squelette de géant. Le lord de Béon faisait plus de 3 mètres. Bon. Le tombeau de 3 mètres a été retrouvé à Stenay, dans la crypte, dans le caveau, dans les catacombes. Oui. D'accord. Ah, c'est un épisode sur lequel on peut retrouver des documents. Oui, mais bon, il doit bien avoir comment le compte rendu officiel de la découverte de ce qui a été vu, de ceci. Vous ne mettez jamais quasiment la main sur rien. D'accord. Comme toujours. Hein. Alors bon, voilà. Alors toujours est-il que les Carolingiens, ceux qui vont devenir les Carolingiens, qu'on appelle un groupe de Pépin d'Héristal, Pépin le Bref, Pépin machin, qu'on appelle les Pépinides, ont fini par évincer les Mérovingiens, ils se sont installés à leur place, et il y a eu un changement de dynastie, comme on dit, hein. Voilà, avec quelquefois des curiosités, hein, parce que à la fin de cette période, il y a eu des mélanges, c'est-à-dire un de la famille là, des Pépins épousait une princesse mérovingienne, un prince mérovingien épousait, il y a eu des croisements, donc à la fin, c'est plus... Puis, une transition en douceur. Voilà, une transition en douceur, tout en assassinant quand même au passage certains, en liquidant Trucmuche et autres, mais en gros, ils seraient parvenus au pouvoir en rentrant par l'intérieur. Bon, hein, en gros. Alors, je vous passe après tous les Carolingiens, parce qu'il y a Charlemagne, il y a tous les suivants. Hein. Alors, juste, je partage très rapidement, si tu veux bien, Michel, ce petit document, pour que tout le monde s'y repère. Oh, vous voyez.
Donc on a vu Clovis, Charles Martel, et donc là on arrive. Voilà, Charles Martel, c'est 732, 740, ces années-là. Voyez, après vous avez cette fameuse histoire de Dagobert 679, mais il y a encore eu, puisque c'était divisé en deux, hein, il y avait royaume mérovingien de Neustrie, royaume mérovingien d'Austrasie. Quand un royaume est tombé aux mains des futurs carolingiens, l'autre royaume était encore mérovingien. Et le dernier mérovingien était déposé en 751. Voilà, chez Péril III de Neustrie. Bon, on l'a purement et simplement déposé. Et puis, on l'a envoyé au monastère. Et puis, il est mort quelques années après. Donc, vous voyez, les carolingiens, ça commence un peu avec Pépin le Bref, qui est un descendant de Charles Martel, etc. 800, c'est le couronnement de Charlemagne à Rome. Hein, parce que Charlemagne, lui, est allé se faire couronner empereur d'Occident à Rome à la Noël de l'an 800. Et puis, bien après, le changement de dynastie, 987, c'est les Capétiens. Mais ça commençait avant aussi. C'est-à-dire les Capétiens, ceux qui deviendront sous cette appellation, qui était une dynastie des Hugues, ceci, Hugues le Grand, Hugues patati patata, avant le fameux Hugues Capet, et disons les Robert le Fort. Alors Robert le Fort, il faisait aussi les ministres, les gouverneurs, etc., sous les Carolingiens. On a refait la même histoire une deuxième fois. On a essayé de réinfiltrer les Carolingiens à l'intérieur pour les faire disparaître, pour donner encore une fois naissance à une nouvelle dynastie, les Capétiens. Et on dit que, bon, la dynastie des Capétiens commence officiellement en 987 avec la désignation de Hugues Capet comme roi de France. Très bien. En gros, voilà, vous voyez, Hugues Capet, puis après tous les rois, vous les connaissez par cœur. C'est les connus. Hein. Les grands noms de la dynastie capétienne. Voilà, vous avez leur portrait au passage en bas, bien que certains ne soient pas mérovingiens, ils ont quand même, vous voyez, Hugues Capet, la barbe. Alors d'ailleurs, cette histoire de Capet, on a cherché cette chose étrange aussi, mais alors pourquoi on le surnomme Capet ? Hugues Capet, c'est pas Monsieur Capet, Hugues de son prénom, Capet de notre famille, c'est un surnom. Et on s'est dit, mais c'est très simple, c'est la cape, parce qu'il devait porter une sorte de manteau en forme de cape, il est donc de la cape. Et remettez au roi, ben on voit hein, cette espèce de chose qu'il a sur sa chasuble, hein, la cape, donc Capet. Et puis en cherchant de près, on s'est aperçu que ça pouvait venir d'un mot latin capetus ou capellus, qui veut dire grande barbe. Alors on s'est dit, est-ce que les rois capétiens sont ceux qui ont une grande barbe ou ceux qui portent une cape, c'est les deux à la fois. Hein. Et donc qui portent une grande barbe, on va retrouver hein, sur les mérovingiens. Vous voyez Clovis au début. Hein. Donc il y aurait eu cette interprétation là aussi. Ça reste assez mystérieux dans l'ensemble. Très bien. Voilà un petit peu pour une histoire très très rapide, donc quand même quelque chose de très important quand on rentre dans la monarchie, puisque là on est dans la monarchie française avec les trois dynasties mérovingiens, carolingiens, capétiens, qui eux-mêmes se divisent en capétiens valois, capétiens bourbons, etc. Donc c'est très très important, la monarchie française, en particulier par le sacre. Alors, dans tous les pays, il y a des rois, mais alors le sacre chez nous, hein, c'est très, très important. Le fameux sacre de Reims, mais ça n'a pas toujours eu lieu à Reims, parce qu'à un certain moment, basilique de Reims, cathédrale de Reims, ça n'existait pas. On avait donc, disons, des rois comme Clovis qui étaient baptisés ou autres, et d'autres proclamés rois, mais il n'y avait pas de sacre. Et puis ensuite, donc, il y a un sacre quasiment, j'allais dire, obligatoire. Hein. Donc, le sacre est très important parce que ça veut dire qu'il y a une sanction divine de la fonction royale. Donc, quand on fait une cérémonie religieuse, quand il y a ce qu'on appelle l'onction, quand l'archevêque de Reims, et quelquefois c'est le pape, eh bien, vient sacrer le roi, fait une cérémonie religieuse sous l'égide de Dieu, donc le roi n'est que le lieutenant, etc., lui pose la couronne sur la tête, lui donne le sceptre, l'épée, les éperons en or, tout ça qui sont posés sur l'autel, et qu'on lui donne, on intronise vraiment le roi comme le lieutenant de Dieu sur terre et lien entre le ciel et les hommes.
C'est pas rien. Donc, c'est quand même pas rien comme, voilà, comme rituel. Ça a été codifié, hein, ça s'est amélioré au fur et à mesure. Le roi passait des jours de pénitence, puis était logé dans un lieu de l'archevêché, puis allait en procession jusque bah, le lieu du sacre. On lui remettait trois vêtements, etc., etc. Alors, une chemise, une tunique, un manteau. Voilà, etc. Bon, toujours le nombre 3, mais aussi sous-diacre, diacre, prêtre, etc. Parce qu'il y avait un petit peu une sorte de fonction religieuse. Alors, ça va très loin, bien sûr, la caractéristique, celle qu'on connaît toujours, c'est cette fameuse cent ampoules qui servait pour les sacres des rois et qui date du baptême de Clovis. Quand Saint-Rémy a voulu baptiser Clovis, curieusement, au moment où j'ai dit, bon, bah, d'accord, j'impose les mains ou je fais une bénédiction, ou je fais une prière au nom de Jésus-Christ, il y a une colombe qui est arrivée, tenant dans ses pattes une petite fiole. Un petite fiole, il y avait une sorte de pâte pour oindre la voix. Parce que dans les civilisations antiques et surtout en Israël, on faisait l'onction du roi avec une sorte de pommade, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, on avait conservé depuis Clovis. Alors, vous voyez, la symbolique, hein, on ne sait pas si c'est vrai, c'est très symbolique. C'est qu'une colombe qui symbolise le Saint-Esprit descend du ciel, apporte quelque chose donc composé par les anges pour sacrer le roi de France. Alors, forcément, on retrouve pas ça dans deux, trois royaumes, etc., etc. Alors, on n'a jamais su, malgré toutes les chroniques, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans la fiole comme produit. Parce que quand on l'ouvrait, quand au moment d'un sacre on l'ouvrait, alors ça servait une senteur incroyable, tous les encens possibles, imaginables. C'était très très parfumé. Il y en a qui ont dit que c'était de la résine, des plantes odoriférantes moyen-orientales. On n'a jamais la composition du produit. Et donc avec une sorte de pince ou d'aiguille, on en sortait un morceau de la fiole qui a la taille de, je sais pas, d'une datte ou d'une figue. C'est tout petit. Et il y a une concrétion dedans. Et on le mélangeait avec de l'huile qui s'appelle le saint crème. On faisait une sorte de boule. On faisait donc l'onction avec. Il montrait qu'on était béni au nom du ciel, etc., etc. Et donc on conservait précieusement à l'église Saint-Rémy à Reims la fameuse sainte ampoule. Qu'en 1793, un révolutionnaire jettera par terre pour montrer que ces superstitions qui étaient d'un autre âge non plus n'avaient aucune importance. Alors, ce sacre avait donc une très très grande cérémonie, une très grande importance, parce qu'à l'école, à l'époque, on croyait dur comme fer que ça avait un sens, qu'il y avait vraiment une bénédiction du ciel sur le roi de France et le royaume de France, hein, au point que quand on n'était pas sacré, on n'était pas roi. C'est arrivé au fameux Charles VII de la guerre de Cent Ans, qui pour X raisons, guerre de Cent Ans, ne pouvait pas être sacré à Reims, on ne reconnaissait pas comme roi, jusqu'au jour du sacre. Bon, puis Louis-Philippe, qui n'a pas voulu être sacré parce que c'était démodé, etc., ben, fut le dernier roi de France. Donc il y a des choses avec lesquelles, quand même, il ne faut pas trop plaisanter. Et quand on connaît l'état de la France depuis 1848, on voit bien ce que ça donne. Hein. Donc, comme notre roi à nous, roi de droit divin, avec l'onction du ciel, bon, était aussi encore une fois un roi supérieur à d'autres rois. On disait que le roi de France était le roi des rois, c'est-à-dire plus roi que les autres rois de France. Et c'était vrai à l'époque, hein, parce que toutes les dynasties en Europe voulaient à tout prix quelqu'un de la famille royale de France pour les mariages. Oui, d'ailleurs, Surtout. on voit le chassé-croisé pour des unions à travers toute l'Europe. Oui, dans les arbres généalogiques, c'est absolument faramineux que telle cour a toujours la fille, la cousine, la tante, une descendante, une petite fille, etc., du roi de France. Parce que comme ça, on crée un lien de dynastie, on crée une alliance, quelquefois. Alors, vous savez, tous nos rois épousaient une princesse de telle nationalité, Louis XIV a épousé l'infante d'Espagne, machin a épousé Anne d'Autriche. Enfin, je dis, mais pourquoi? Parce qu'on croise. Alors, on croise déjà les mariages officiels qui sont plus diplomatiques que sentimentaux, hein, au niveau des rois et reines. Mais alors, c'est tous les autres membres de la famille y passent, hein. C'est-à-dire un frère, un cousin épouse des gens donc de l'aristocratie, autre chose. Et comme ces rois avaient beaucoup de pouvoir, on a attribué un pouvoir de guérison.
qu'on appelle la thaumaturgie. Donc, il y avait un rituel aussi qui se faisait quelques jours après le sacre, c'est d'aller imposer les mains sur les malades. Et on appelait ça guérir les écrouelles, parce que les écrouelles, c'était une maladie de peau assez terrible qui donnait des sortes de scrofules, de boules, etc. sur le corps. Et le roi devait toucher tous ces malades qui venaient exceptionnellement, on les rassemblait, parce que le roi les posait. Et il y en a qui touchaient 2000 malades, 3000 malades, etc. Louis XIV en avait touché je ne sais pas combien, avec toujours la formule « le roi te touche, Dieu te guérit », quelque chose comme ça, et on y croyait dur comme fer. Et attention, qu'un roi n'aurait pas osé toucher un malade, peur d'attraper quelque chose, ça ne se faisait pas. Louis XIV, Henri IV, il était absolument obligé de le faire, il ne coupait pas au rituel. Et est-ce que des rois sont morts de ça? Alors bon, on ne sait pas trop, non, je ne crois pas. D'après les récits des morts, ils sont vraiment pas morts des maladies de peau, je ne sais pas comment elles s'appellent d'ailleurs, au passage. Ça s'appelait les écrouelles, mais c'est un surnom. C'est une maladie de peau. Non, je peux pas, là, je ne peux pas vous dire. Alors voilà où on en est, vous voyez que c'est très, très symbolique. Et donc toute cette période, capétien, mérovingien, etc., et mérovingien, etc., bon, ça correspond à ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Alors, vous savez qu'en histoire officielle, toujours, le Moyen-Âge est très, 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 très décrié. Ah, c'est toujours une période lugubre, une période où on torturait les gens, une période où on était dans la famine du matin au soir. C'était abominable. On brûlait les gens. C'est vrai. Hein. Il y avait vraiment l'Inquisition. On a vraiment brûlé les sorcières. Mais de croire que les gens ont passé tout leur temps à s'entretuer, puis ils étaient tout le temps malades, puis ils avaient tout le temps la peste. C'est faux quand on voit ce qu'ils ont fait. Et construire des milliers de châteaux forts, mais des milliers d'églises. 93 cathédrales gothiques, partir à des centaines de milliers aux croisades, c'est dit, bon, ils avaient une vitalité absolument exceptionnelle, ils pouvaient pas se traîner sur le sol rampant, hein, c'est pas possible. Donc, on a dénigré cette période-là, ça vient de la Renaissance. À la Renaissance et pendant la Révolution, bah, tout ce qui était avant eux, c'était les temps obscurs, c'était le Moyen-Âge, on a inventé le terme moyenâgeux. Hein. Oui, alors, oui, le terme moyenâgeux veut bien dire ce que ça veut dire, il y a cette connotation. Péjorativement, ça c'est moyenâgeux, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Alors qu'en fait, ça veut dire Moyen-Âge entre l'Antiquité et la Renaissance, mais bon, pas tellement bien réputé. Alors, il y a eu plein de bonnes choses, hein, ne serait-ce que de construire toutes ces cathédrales sculptées, hein, et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a une période qui est plus belle que les autres. Hein. Quand on dit c'était pas mal comme chose, c'est la période 11e, 13e siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il y a eu un certain essor économique, un progrès du commerce. Sinon, on n'aurait pas pu construire tous ces châteaux, toutes ces cathédrales qui coûtaient une fortune. Vous voyez Reims, vous voyez Notre-Dame de Paris, ça montrait la puissance de l'Occident à l'époque de faire ça. Et puis, bon, bah, tout le monde sait, hein, d'organiser les croisades, c'était pas rien comme chose. Hein. Ça montrait en gros le trop-plein d'énergie d'Occident, entre autres d'une volonté de conquête, de libérer les lieux saints, etc. Alors, il y a des images où il y en a, on ne peut trop faire le détail, tout le monde sait ce que c'est qu'un château fort, tout le monde sait ce que c'est qu'une église gothique. Donc, vous avez sur la gauche, alors, vous savez, les caractéristiques médiévales, c'est des très hautes tours avec des pointes, des créneaux, des ponts-levis, un plan d'eau tout autour. Alors, voilà, ça, c'est typique d'une forteresse médiévale, rien à voir avec un château Renaissance, bien entendu. Du temps, on se battait encore avec des flèches, des lances, des catapultes, etc. Bien, plus les tours étaient hautes, moins le château était prenable. Donc oui, là, c'est un château qui est dans le Cantal, qui doit s'appeler Château de Valls dans le Cantal. On a encore des beaux châteaux comme ça, totalement conservés, hein. Très peu connus. Voilà, en haut, là, par ici, ben là, tout le monde connaît. Hein. C'est la cité de Carcassonne, l'une des cités médiévales, justement, totalement conservées. Et le château, ben, sur la droite, là. Château Condal, des comtes de Carcassonne, typique, hein, de cette époque-là, la cathédrale qu'on voit là-bas dans le fond. Voilà. Et puis, là, c'est la citadelle de Fougères. Alors, un peu plus massif, déjà. Les tours moins hautes, c'est plus épais, c'est plus massif, mais bon, plus on est allé vers le 14-15e siècle, plus on a eu des constructions de ce genre, toujours avec les meurtrières, etc., etc. Donc ça, forcément,
On en a plusieurs milliers en France. Après, donc, pour le niveau des constructions d'églises et de cathédrales, on a donc le style roman au début. Donc, des cathédrales assez massives avec un clocher comme ça. Et puis, bon, les arcs de plein cintre, hein, qui donnent le style roman issu des Romains. Voilà. Plus simple et plus épuré. Voilà, oui. Voilà. Je crois que c'est Cluny, hein, la première. Et là, je sais pas si c'est. Je sais plus trop où c'est, je sais pas si c'est Saint-Guilhem, le désert, un truc comme ça. C'est le type de cathédrale romane, c'est comme ça. Et puis, alors, elles sont très peu connues. Il y en a beaucoup dans le sud de la France. Elles n'ont pas été détruites parce qu'il y a pas eu énormément de guerres, les fameuses guerres mondiales par là. Mais alors, dans le nord, on en a un peu beaucoup. On a surtout les grandes cathédrales gothiques, hein, vous allez voir après. Alors, je sais pas si c'est l'image. Si, si. Je vais y arriver. Et voilà. Voilà, voilà les cathédrales dites gothiques à Chartres. Alors Chartres, c'est très très célèbre avec ses deux tours inégales, etc. Et son allure très très connue. Voilà, donc Notre-Dame de Paris. Voilà. Alors, très célèbre avec sa flèche et portail. Assez monumental. Assez monumental aussi, hein, elle occupait une grande partie, donc surtout tout le 12e, 13e siècle, hein, une grande partie de l'île de la Cité. Hein. Vous voyez, alors après, qui est-ce qu'il y a? Il y a l'An dans l'Aisne, avec, je crois, 5 tours. Alors, une cathédrale très, très originale. Hein. Bon, gothique du Nord. Là. C'est vrai qu'avec du recul, on se rend compte que entre les châteaux et les monuments religieux, il y a eu une croissance assez phénoménale sur le territoire de France. Ben, on voit bien que pour construire des monuments comme ça, il faut avoir la main d'œuvre, il faut avoir les architectes, il faut savoir faire les calculs, il faut savoir faire ceci, il faut la main d'œuvre, il faut le crédit pour les matériaux. Après, les artisans vitriers qui passent pour les vitraux, ça coûte une fortune. Hein. Bon, vous voyez, alors vous en avez, il y a un peu tout, je sais plus trop lesquels sont, mais ils ont tout cela. Ben, il y a Rouen, vous voyez, ah, c'est monumental aussi, Rouen. Hein. Alors, je ne veux pas, dans cette conférence-là, détailler comment on construit une cathédrale gothique, quelles sont ses caractéristiques, parce que, bon, ça serait 2 heures d'exposé, hein. Mais c'est pour vous montrer ce que le Moyen-Âge a fait. Et qu'on peut pas dire que c'est laid, et qu'on peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Voilà, Sainte-Croix, c'est la cathédrale d'Orléans, il me semble. Ouais, elle est très spéciale aussi par ses tours, voilà. Après, il y a la cathédrale Saint-Jean, ça doit être Lyon. Ah, ils ont tout un petit air de ressemblance, mais tout aussi beaucoup de différences. Alors, en gros, il y en a pas une pareille. Voilà, donc on peut continuer. Après, j'arrive au blason de Paris. Voilà, au blason de Paris, parce qu'en dessous il y a les, comment dire, les fameuses sculptures alchimiques. Alors bon, allez, je les envoie. Voilà, ces cathédrales romanes et ces cathédrales gothiques ont toutes, bien sûr, une histoire et tout un symbole. Hein, c'est que on aurait mis des secrets de construction, de géométrie, de symboles, parce que bien sûr toutes les sculptures, des chapiteaux, des cathédrales romanes font allusion à les mythologies et pour représenter certaines scènes très compliquées, représentent, hein, par des symboles, par exemple les mois, par des signes du zodiaque, etc. Alors, on va pas faire non plus une conférence entière là-dessus, parce que la conférence existe déjà sur les cathédrales gothiques, où les plus grandes cathédrales gothiques ont dans leur sculpture de façade des médaillons, comme vous voyez là, c'est Notre-Dame de Paris, des médaillons qui sont des médaillons alchimiques. Et si on suivait ce qui est expliqué sur ces sculptures, on réussirait à trouver la pierre philosophale. C'est-à-dire que ça décrit le processus alchimique. Alors, quand on fait la visite, qu'on a un guide, quand je fais la visite, j'explique un peu tout.
Il y en a bien sûr beaucoup plus que ceux que vous voyez là. Alors, ça paraît très, très étrange de voir un oriflamme, de voir un taureau, de voir un personnage qui donne un coup de pied à un autre, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a une explication, bien sûr, à vue de nez par l'Église. Ça symbolise les vices et les défauts. Il y a l'avarice, l'orgueil, la violence. Et puis, bien sûr, il y a un sens alchimique. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Ces cathédrales ont un sens particulier. C'était juste pour montrer qu'il y avait tout ça dans le Moyen Âge. Donc, on avait mis dans les constructions, soit le nombre d'or, le nombre pi pour les rosaces, les ceci, les cela, la dimension, la longueur, la largeur, la hauteur sont calculées pour créer une harmonie. On met des symboles alchimiques dedans, on met les signes du zodiaque, c'est cela. Et c'est pas simplement, c'est comme les grottes de Lascaux. C'est pas simplement faire du décoratif en façade. Ça a un sens, un symbolique particulier. Voilà. Si on peut revenir un petit peu au-dessus. Puisque je profite, les deux choses avaient été mises sur la même feuille. Et c'est un blason de la ville de Paris qui a été fait au début du 19e siècle où on représente Paris par une barque, fluctuat mec mergitur, tu flottes mais tu ne sombres pas, c'est pour les bateliers de la Seine. Et là, sur ce, mis à part les feuilles de chêne et autres, de symbole de la victoire et l'aigle, etc., c'est le blason de Paris qui a été fait sous Napoléon, qui a repris curieusement les fameuses abeilles des Mérovingiens. Et par trois. Alors, un peu différente des abeilles mérovingiennes du tombeau de Chipéric, parce qu'elles avaient les ailes un peu collées le long du corps. Et alors, sur la barque, dans la partie gauche, vous avez sur le sommet une déesse Isis. Vous voyez, juste en dessous de l'étoile. Ah oui, exact. Ah oui, il faut la voir, mais... Ah ouais. Isis sur le blason de Paris, c'est quand même... Oui. Voilà. Oups. Parce qu'on disait que Paris, c'était la tribu des Parisis, c'est les tribus gauloises qui occupaient les bords de la Seine, mais ça voulait dire aussi passant par Isis, passant par le sanctuaire d'Isis. Et vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure pour les Romains qui avaient répandu, et les jeunes Romains avaient répandu le culte d'Isis en Occident, il y avait un sanctuaire d'Isis à Paris. Donc les Parisis viendraient directement de Isis. Parisis, oui. Waouh. Et donc, alors on aurait retrouvé un sanctuaire et des statuettes d'Isis à Nanterre, et on aurait retrouvé aussi des statuettes dans les fondations de Notre-Dame de Paris, entre autres. Ah, voilà, c'est une curiosité. Et d'ailleurs, de mettre les abeilles mérovingiennes et Isis et l'étoile à cinq branches sur le même blason, quoi, entre autres. Il n'existe plus aujourd'hui, on n'a plus ce blason-là aujourd'hui. Voilà, donc pour continuer sur le Moyen-Âge, qu'est-ce qui est caractéristique de l'histoire mystérieuse au Moyen-Âge? Là aussi, on ne va pas refaire les croisades, on ne va pas refaire les cathares, parce que bien sûr, c'est la grande époque de les cathares. Si vous voulez, on le fera un jour, mais j'ai déjà fait à la conférence là-dessus. Mais curieusement, les cathares, eh bien, c'est la région des Visigoths, c'est la région de Rennes-le-Château, c'est la région de Mérovingiens, c'est la région de ceci, c'est le Roussillon, c'est l'Ariège, c'est Montségur, on retrouve tout ça. On retrouve des Templiers, château de Bézu près du pic Bugarache, et une forteresse templière, etc., etc., Et ces fameux Visigoths dont on parlait, une des tribus franques qui avait envahi le pays et battu par Clovis, eh bien, ces Visigoths étaient curieusement chrétiens, tout en étant germains. Mais ils étaient chrétiens d'une autre branche que le christianisme catholique. Ils étaient chrétiens ariens. Et ariens, né d'un religieux qui s'appelle Arius, sans rien avoir avec race arienne, c'est un religieux qui s'appelle Arius, qui n'avait pas une vision très... Vatican, on peut dire, de la Sainte Trinité et autres. Pour lui, il n'y avait pas un Dieu fondu en trois personnes. Le Père, le Christ et le Saint-Esprit étaient de substances différentes. C'est-à-dire, c'était une émanation, un Dieu le Père qui émanait, un Fils qui émanait, un Saint-Esprit. Elle ne pouvait pas être trois du même niveau en un. Ce que l'Église appelle la consubstantialité en théologie, c'est-à-dire les trois personnes n'en font qu'une, mais de même substance et de même niveau, que là, il y aurait une gradation. C'était considéré comme un blasphème absolument inouï par l'Église. Et curieusement, les Visigoths étaient de cette tendance-là, mais chrétiens.
alors que Clovis était païen. Et vous vous dites, mais comment? C'est Clovis qui était converti. En gros, l'Église en clair a choisi Clovis. Pourquoi donc? Parce que là, sans doute, l'Église a trouvé que la foi du néophyte, le génie stratégique de Clovis aurait fait triompher l'Église, bien sûr celle de Rome, et que les autres, comme c'était des hérétiques, fallait plutôt les éliminer. Donc, dès cette époque-là, l'Église faisait la chasse aux hérétiques et choisissait ses camps en fonction de sa politique à elle. En gros, pourquoi soutenir le roi des Visigoths? Pourquoi soutenir Clovis? Il y avait tout un calcul de ce genre. Bien sûr, l'Église est toujours positionnée. L'Église soutient toujours et se rapproche toujours de qui aide plus à la propagation de la foi, de qui défend le plus les églises, de qui défend le plus le prêtre, etc. Donc, on fait le sacre du roi de droit divin. On est dans la collision de le roi de France et les hérétiques, bon, même chrétiens, parce que les cathares se disaient croyants, chrétiens, etc. D'une autre version du christianisme, hein, complètement anéanti. Alors, si on mêle à ça, cette fameuse histoire de Visigoths, parce que les Visigoths avaient pris Rome en 410, ils avaient ramené le trésor du Capitole des Romains, qui eux-mêmes avaient pillé Jérusalem, ils avaient ramené le chandelier à cette branche, avaient enterré dans des souterrains de Rennes de Château. On a une histoire absolument hallucinante, et tout est entrecroisé. C'est-à-dire des Visigoths, des Mérovingiens, Marie-Madeleine et Marthe, etc., qui arrivent au Sainte-Marie de la Mer, qui vont à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, évangéliser un peu jusqu'à Vézelay, mais qui va aussi dans le Languedoc. C'est une région de la France, c'est un véritable nœud de fil à démêler. Mais j'arrête là, parce que raconter ça revient à refaire l'histoire de Rennes de Château. Parce que c'est l'engrenage, la superposition, toutes ces histoires-là entrecroisées. Hein, parce qu'il y aurait eu une descendance du Christ si le Christ avait pas été crucifié, mélangé avec la fameuse dynastie des Mérovingiens, créé une descendance à la fois surnaturelle et comment dire, mérovingienne, la seule vraie race d'origine, plus disons une descendance issue du Christ et de Marie-Madeleine, je ne sais pas où vous allez, donc. Bon, là, c'est totalement hérétique. On peut aller très loin, là. Et on peut aller très loin. Donc, si on prend le Moyen-Âge, si on refait pas les cathares, si on refait pas les Templiers, parce que les Templiers, c'est aussi cette époque-là, c'est aussi la Terre Sainte, c'est 2 siècles d'histoire, hein, de l'ordre du Temple, mais quand même, un petit rapport avec ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est qu'il y a la fameuse malédiction des Templiers. Hein, donc, quand les Templiers ont fini, la guerre en Terre Sainte, se sont rapatriés sur l'Occident. Eux, ils voulaient continuer à exister. Et puis, ben, les rois ont trouvé qu'un ordre militaire aussi puissant, alors qu'ils ne faisaient plus de croisades, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu mijoter? C'était une force militaire très importante. Philippe le Bel l'a très mal pris. Donc, il s'est arrangé pour les couler. Il a monté une machination pour dire qu'ils étaient, sodomites, sacrilèges. Il y a eu tous les procès que vous connaissez. Et ça s'est fini par le fameux bûcher, là, la pointe de l'île de la cité de Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. Et dans ce fameux bûcher, hein, l'histoire et la légende racontent que le grand maître Jacques de Molay aurait maudit les rois de France, la race des rois de France, jusqu'à tant et tant de générations. Ah, donc ce Philippe le Bel, responsable de leur arrestation, la mise à mort de l'ordre, plus de tout le reste, en collusion avec le pape, ils se sont rangés tous les deux, hein, supprimer l'ordre canoniquement, l'autre a supprimé, je sais pas quoi, physiquement, tout ce qui s'ensuit. Et donc, dans cette histoire de Templiers, cette fameuse malédiction a été suivie des faits, hein, parce que, on dit, bah non, c'est des fariboles, parce que Jacques de Molay avait dit qu'il a signé le pape et le roi au tribunal de Dieu dans l'année. Donc, en l'année 1314, les Templiers sont brûlés en masse. Eh bien, Philippe le Bel et le pape décèdent dans l'année. Bon, le pape, d'une terrible maladie, il est rentré en convulsion. Il a mis des jours à mourir dans des souffrances épouvantables. Et Philippe le Bel, lui, en tombant de cheval, parce que son cheval a été effrayé par un sanglier, le cheval s'est cabré, le roi est tombé, il s'est claqué la tête à terre, il était emmené et décédé. Alors, c'est un très grand hasard, hein. Cassini à mourir dans l'année, il meurt vraiment dans l'année. Et après, on s'est dit, quand il y a malédiction sur le royaume de France, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est passé le XIVe siècle, l'un des plus épouvantables de notre histoire. C'est-à-dire la peste noire, la guerre de 100 ans, la guerre civile, etc. On a tout eu.
les quelques années après, 1304, 1337, début de la guerre de 100 ans, toutes les batailles, on les perdait quasiment toutes, hein. Les Anglais occupaient deux tiers du pays, c'est épouvantable, bon, etc., etc. Et on pouvait plus être sauvé, là, c'était vraiment, alors, si on dit, il faut pas être superstitieux, il faut pas croire à des sornettes, il y a rien qui prouve qu'il y a une malédiction, mais l'histoire est là pour prouver que tout va de travers. Alors, si ça va pas de travers à cause de la malédiction des Templiers, c'est que Dieu ne soutient plus notre pauvre France, ou c'est que tout va de travers pour X, Y raison. Et c'est là qu'on arrive à la fameuse guerre de 100 ans par laquelle on va finir. Hein. C'est-à-dire que quand Philippe le Bel est mort, en 1314 aussi, il est tranquille un peu avant sa mort, il avait trois fils. Et les trois fils sont décédés en quelques années. On ne sait pas si c'est une malédiction. Premier fils, il fait quelques années, il meurt. Deuxième, il meurt. Troisième, qui prend la succession? Alors, quand il n'y a plus d'héritier direct, on prend un héritier indirect, on prend un cousin. Un héritier au second degré, etc. Un second degré, troisième degré, ce qu'on appelle des collatéraux. Ils sont toujours de sang royal, mais c'est vraiment un truc. Et de fil en aiguille, en cherchant dans les arbres généalogiques, on se retrouve que le roi d'Angleterre et un Français ont tous deux prétention au royaume de France. Parce que Philippe le Bel avait trouvé comme idée géniale de faire épouser sa fille au roi d'Angleterre pour resserrer les liens avec l'Angleterre. Pensons jamais qu'en ayant trois fils, ce roi qui avait du sang de la famille royale française pouvait dire... prétendre au trône de France. Eh ben, voilà, je peux prétendre au trône de France. Tolé, bien sûr, en France, les chevaliers, la mobilisation... Mais le roi d'Angleterre a profité l'occasion, débarquement en Normandie, débarquement en Calais, bataille, et au début, on perd toutes les batailles, 1300 et quelques, bon ben, le roi de l'époque, Philippe le Bon, est fait prisonnier à Poitiers, il est emmené, échangé contre rançon, c'est une vraie catastrophe. Et donc, de fil en, alors quand on dit la guerre de 100 ans, qui a duré en fait 116 ans, ça dure pas, il n'y a pas des batailles tous les jours. On fait une, deux, trois batailles, on perd, on signe un traité, il y a une trêve, pour X raisons, ça reprend, tout le monde se rebagarre, on refait un traité, et puis de fil en aiguille, puis on passe je sais pas combien d'années, il n'y a jamais de solution à rien, à un moment ça avance, à un moment ça recule, à un moment les Anglais ont des problèmes chez eux, à un moment il n'y a pas moyen de payer les troupes, à un moment il y a un roi qui dit, bon, je perds mon temps à faire la guerre en France, ça recule, un autre qui dit, oui, je veux conquérir tout le pays, il avance, on profite en général de ce qui va mal, pour dire si ça va mal en France, il y a une querelle, une guerre dynastique, une guerre entre princes, bon, on attaque. Alors, il va se passer quelque chose de très curieux, c'est qu'à un moment, on a un roi qui s'appelle Charles VI, et que ce Charles VI va être frappé de folie. Alors, une folie pas totale, une folie intermittente, à un moment, il fait des crises de folie, il fait n'importe quoi, et certains essaient d'influer pour... à diriger à sa place, à dire qu'il n'est plus en état d'assumer ses fonctions... À un moment, sa femme fera un peu le dessus. À un moment, l'un des grands princes de la cour, Louis d'Orléans, essaie de gouverner, profitant de... En Angleterre, on dit, ben, comme le roi est fou, il y a des problèmes à la cour de France, ça va. Et puis, à un des moments, il est totalement lucide. Alors, quand le moment était lucide, il reprend un peu de pouvoir, il décide telle chose. Bon, quand il est dans des phases de folie, c'est un peu embêtant. Il s'est passé quelque chose de très curieux dans la coulisse, c'est qu'il y avait une femme qui s'appelait Isabeau de Bavière, qui était un peu dans la débauche. Bon, déjà, elle pouvait prendre prétexte que son mari avait des crises de folie qui menaçaient de l'assassiner. Donc bon, elle pouvait aussi dire, bah, c'est pas drôle, la vie à la cour, mais de son tempérament, c'était... Déjà, quelqu'un s'est porté sur la débauche qui avait un nombre X, Y d'amants. Et vous verrez, je raconte pas ça pour la gaudriole, mais parce que ça a une importance dans la généalogie. Parce que si elle a un fils, est-ce qu'il est Charles VI ? D'un amant, imaginez le foin à la tour de, à la cour de France. Et quand il y avait une absence mentale du roi, qui avait, bon, je suis ministre, conseil de régence, pour dire, ben, on prend les mesures puisque le roi peut pas, il y a eu deux clans. En gros, il y a eu un clan, Louis d'Orléans, qui était l'un des principaux personnages de la cour, et un clan, duc de Bourgogne, qui s'opposaient. C'était l'ennemi, archi-ennemi, sans vouloir à mort les deux, parce que bien sûr, les deux voulaient pouvoir être nommés régents, nommés je sais pas quoi. Ils essayaient de circonvenir Isabeau de Bavière en disant, ben, soyez de notre côté, soyez pas de notre côté. Les deux, là, Orléans, Bourgogne, ils essayaient de se mettre un tel de leur côté.
Bon, par exemple, la maison d'Anjou, la maison de Berry, la maison de Lorraine, elle était avec qui? Jusqu'au coup de théâtre. Du coup de théâtre, c'est que les Bourguignons, donc de Durbourgogne, s'est allié avec les Anglais. Donc, on s'est retrouvé en France avec une guerre civile. On avait un clan Bourguignon pro-anglais, un camp Armagnac, Orléans, pro-français. En guerre civile, les deux cours et leurs hommes d'armes se faisaient des affrontements, etc. Jusqu'au jour où le duc de Bourgogne a décidé de liquider le duc Louis d'Orléans. Et quand il sortait de chez sa maîtresse, qui était Isabeau de Bavière, la femme du roi, et dans une ruelle, il y a 18 spadassins qui se sont jetés sur lui. Il avait deux écuyers, il a pas tenu le coup, il a reçu un coup de massue à travers du crâne, il était pris à travers le corps, complètement massacré. Hein. Et bien sûr, tout le monde s'est dit, c'est le duc de Bourgogne qui a fait le coup, mais quand il a été interrogé pour dire, c'est vous le responsable, il a répondu oui. Parce que celui d'Orléans est abominable, essayer de circonvenir le roi, mais de l'autre côté, tous les généraux, recherche de vengeance, quelque temps plus tard, c'est le duc de Bourgogne qui sera assassiné. On est là en France avec tous les Anglais qui occupent le pays. Hein. Bon. Et à un moment, ce fameux Charles VI a eu une crise beaucoup plus importante que les autres. Il a signé un traité avec l'Angleterre, comme quoi, à sa mort, il donnait son royaume en héritage au roi d'Angleterre. Les générales à nouveau. Une mêlée générale. Alors, en général, quand il y a ça, notre chevalerie se mobilise, ben, elle a été exterminée plusieurs fois. Azincourt, complètement exterminé. Bon, Crécy, complètement exterminé, etc. Les Anglais gagnaient presque partout. Donc, notre cour, elle était très pour rien. Les Bourguignons tenaient Paris, ils tenaient avec les Anglais pour les terres réduites. La partie sud, le fameux Armagnac, et puis, justement, Languedoc-Provence, le sud de la France, Massif central. Curieusement, on va se retrouver à Bourges, parce qu'à la suite de ça, eh bien, c'est le duc de Bourgogne qui devient le personnage plus important, et le futur dauphin, enfin le fils de Charles VI, qui sera le futur Charles VII, eh bien, se réfugie à Bourges. Et on le retrouve à Bourges, fameux Bourges de Bituriges, Avaricum Bourges, etc., au centre de la France, mais il n'est plus roi de rien, on l'appelle le petit roi de Bourges. Et voilà, on en est. Alors, on dit, il faut reprendre le pouvoir. Vous êtes le roi de France. Il dit, oui, bah, je suis quand même de la famille royale, je suis fils de Charles VI, entre guillemets, parce qu'il n'en est pas tellement sûr. Vu Les aventures de sa maman. les activités de sa mère, donc il doutait de sa naissance. Il y avait une mauvaise langue qui avait lui dire, vous savez, vu ce que fait Isabeau de Bavière, vous n'êtes pas sûr d'être le fils du roi. Bon, décomposé. Lui, il pouvait pas soulever le peuple français alors qu'il n'y avait pas de légitimité. Et en plus, il avait beau être allé à Poitiers pour dire, c'est moi le roi de France, je me fais proclamer roi, mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il pouvait pas être sacré à Reims, c'était en zone bourguignonne et anglais. Donc il pouvait pas aller à Reims. Et c'est dans ce contexte-là, absolument incroyable, que se passe l'histoire de Jeanne d'Arc, que tout le monde connaît. Alors l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire officielle dit la chose suivante, on est dans l'exemple d'une histoire officielle qui est plus abracadabrante qu'une histoire non officielle. Hein, c'est-à-dire dans l'histoire officielle, dans tous les livres d'histoire pour les enfants, l'école, on dit, eh bien, il y avait une pauvre petite paysanne à Domrémy qui gardait ses moutons et puis qui a entendu les voix du Seigneur qui lui parlait, mais aussi les voix de Saint-Michel, les voix de Sainte-Marguerite, les voix de Sainte-Catherine qui lui disaient d'aller voir le roi pour lui demander d'être sacré à Reims et de jeter les Anglais hors de France. La fameuse expression « bouter l'Anglais hors du royaume de France ». Donc, elle était chargée d'une mission. Elle y croit, cette jeune paysanne. On dit au début qu'elle a 17 ans. Bon, et va voir le grand chef militaire du coin qui s'appelle le sieur de Baudricourt. Elle lui demande une escorte pour aller voir le roi actuellement en résidence à Chinon. Lui, il lui dit que c'est de la faribole, elle rêve, elle entend des voix, bientôt il la mettra en prison. Bon, mais elle revient quelque temps après, puis là, le gars, il a complètement changé. Il va lui fournir une escorte, des gardes pour l'emmener voir le roi. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait le changement, hein. C'est un peu curieux. Dans l'entretemps, il y a le duc de Lorraine, qui est pas loin d'Orémy, qui a entendu parler de cette histoire, qui invite Jeanne à venir la rencontrer. Ben, imaginez, c'est le duc de Lorraine. Il entend parler qu'une paysanne a entendu des voix et veut voir le roi et lui demande de venir le voir. Il discute avec elle
et il lui offre un cheval, un beau cheval blanc. Et elle monte à cheval et va vers Chinon avec une escorte, fournie par le fameux Baudricourt pour aller à Chinon. Alors, l'histoire officielle est déjà piétinée. Parce que comment une jeune paysanne, donc illettrée, et son procès le dira, je connais ni A ni B, ce que je sais, je l'ai appris à l'église, peut penser jeter les Anglais au dehors de France, ce qui veut dire qu'elle connaît la situation politique. Et on s'apercevra qu'elle sait monter à cheval, manier la lance, mettre une armure, monter à l'assaut des tueurs de trucs. Bon, on s'est dit, il y a un truc. Alors, son histoire commence à être connue quand elle demande rendez-vous au roi pour aller Chinon où il est, pour lui révéler deux secrets. Alors, la cour, l'entourage du futur Charles VII, du roi Charles VII, est très très inquiet, pensant que c'est une histoire complètement bidon, de croyances populaires bizarres, etc., décide de lui faire passer un test. Comme elle ne connaît pas le roi, qu'elle ne l'a jamais vu, qu'elle veut parler au roi, on va dissimuler le roi dans la foule. Comme ça, si elle arrive, on dit, vous voulez parler au roi, parlez-lui. On va chercher, il ne connaît rien. Bon, ça va sembler ridicule. Et donc, il va se passer quelque chose, c'est qu'en rentrant dans la salle, elle va aller directement vers le roi. Alors qu'il s'est déguisé, il n'est pas en habit royal, il est en habit commun, comme n'importe quel homme de la cour. Et quand elle va avancer vers lui, il va attendre son index dans un autre pour dire, non, le roi, c'est celui-là, là-bas. Non, gentil dauphin, vous êtes le roi. Alors, stupéfaction à la cour, parce que le roi, en titre, c'est lui, l'appelle gentil dauphin. C'est-à-dire, en gros, le dauphin, apprenti roi, et comme son père n'est plus là, le roi, c'est lui. Donc, tout le monde est un peu refroidi, parce qu'il dit, bon, ben là, les incarcérés en sortant, pas du tout. Le roi l'entraîne à l'écart, et bon, parce qu'il a eu l'idée qu'elle avait une révélation à faire. Alors, elle lui chuchote à l'oreille quelque chose, les conseillers ont peur, ils sont prêts à tirer l'épée, parce qu'elle a peut-être un poignard quelque part, elle va poignarder le roi, c'est peut-être un agent d'Angleterre, etc. Elle lui dit quelque chose à l'oreille. On voit le roi qui est très triste, très taciturne, soudain avoir un beau sourire. Et puis après, dans une autre pièce, va lui révéler un autre secret. Premier secret, ce serait le secret de la naissance. Elle lui aurait certifié qu'il était vraiment le fils de Charles VI. Le roi officiel en titre, il n'aurait pas à s'inquiéter des frasques de sa mère en quelque chose. Le deuxième secret, alors là, il est invérifiable. Forcément, ce serait qu'elle saurait où est le Graal. Là, l'une des plus grandes légendes médiévales, c'est « Sire, vous êtes protégé parce que le Graal est là, le réside le lieu. » Bon, alors le roi est complètement sidéré par cette chose. Et alors, elle demande en plus après, quand on veut qu'elle ait reçu, admise à la cour, il y a un repas, tout ça, les grands conseillers sont là, Jeanne d'Arc. Elle demande une escorte, une armure, et de conduire une armée à la délivrance d'Orléans. Et le roi accepte. On lui donne un destrier, une armure qui vaut deux fois le prix des armures des chevaliers, etc., des servantes, des écuyers, un maréchal qui l'accompagne pour les conseils militaires, les opérations militaires, un truc absolument inouï. Et on se dit, mais est-ce que les militaires vont être acceptés qu'une femme les conduise? Avec son étendard, là, qu'elle va brandir à la tête des troupes. Bon, et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, ça marchait. Donc elle a délivré le siège d'Orléans que les Anglais faisaient, elle était une héroïne, le siège était levé, l'armée anglaise est en retrait, après elle est poursuivie, il y a une deuxième bataille, les Anglais sont battus et reculent. Elle revient à Chinon pour dire au roi, ben maintenant, Majesté, il faut aller vous faire sacrer à Reims. Et en attendant de partir, elle est logée dans une tour du château de Chinon, qui est la tour du Coudray, où elle était emprisonnée, les grands maîtres templiers. Et ensuite, donc, la chevauchée commence, de Chinon, Bourges, on remonte à Reims, en prenant les villes au passage, pro-anglaise, pro-bourguignonne, etc. Puis des villes ouvrent leurs portes, se rendent, c'est le roi de France qui arrive, le pape frère, en gros, il s'ouvre, il passe de ce côté, et le roi va être sacré à Reims comme ça, parce que le but, c'était, tout à fait dans l'optique traditionnelle, tant que vous n'êtes pas sacré, le peuple ne fera rien. Alors, il se cumule deux choses. Quand le roi est sacré, bon, un nouveau roi officiel, réel, valable, la population peut se soulever contre l'anglais, et on a une héroïne envoyée par le Seigneur pour délivrer la France. Alors là, c'est un soulèvement dans tout le pays.
nos armées gagnent quasiment partout, les Anglais se retraitent dans tous les coins. Bon, sauf Paris, c'est encore tenu par l'ennemi, la Normandie, la Guyenne, les derniers bastions. Enfin, on a repris une bonne partie du pays. Alors forcément, Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne nationale. Hein, c'est... Et ça, c'est des vérités historiques. Hein. Rien à part cette histoire de Graal. Bon, reste le mystère principal. Comment une jeune fille qui est censée avoir 17 ans peut avoir fait tout ça? Alors, en fait, elle n'aura pas 17 ans, mais 22. Et en fait, bon, elle s'appelle pas d'Arc. Alors, en général, quand on rencontre ça, on dit si Jeanne d'Arc n'est pas Jeanne d'Arc, il n'y a pas l'âge qu'elle déclare, parce qu'on n'a jamais pu vérifier sa date de naissance réelle. Si elle a 22 ans, on comprend qu'elle puisse conduire une armée à 17. Ben, c'est pas possible. Quand vous voyez la place de la femme de l'époque dans la société médiévale, vous ne pouvez pas avoir un rôle militaire. Vous ne pouvez pas conduire une armée. Et on ne pense pas qu'une paysanne qui garde des moutons, comment elle aurait pu apprendre à monter à cheval? Parce que cavalière émérite, à ça 17 ans, ça ne prend pas comme ça en claquant des... Ça voudrait dire que depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, on l'a appris à monter à cheval. Alors, il paraît qu'elle maniait l'étendard, c'est rien, l'épée. Et quand elle a fait la révérence au roi, on aurait dit qu'elle a fait la révérence toute sa vie. Pour une paysanne, ce n'est pas possible. Alors on s'est dit, il y a un mijotage dans la coulisse. Il y a un mijotage dans la coulisse, mais c'est un Himalaya. C'est que cette fameuse Isabeau de Bavière avec tous ses amants, dont l'amant c'était Louis d'Orléans, le principal personnage politique d'une certaine époque après le roi et qui a été assassiné, qui donc avait relation avec Isabeau de Bavière. Ensuite, cette Isabeau de Bavière s'est retrouvée enceinte, et pas du roi Charles VI. Et donc elle a accouché, et soudain on apprend que l'enfant qu'elle a mis au monde, est mort-né, qui s'appelle Philippe. Et donc, ce Philippe est construit au cimetière, machin, on met tous les enfants décédés le jour de l'accouchement, là, même fils de roi. Alors, forcément, on ne peut pas ramener le corps à la cour, parce que le roi est très bien, que l'enfant, c'est pas de lui. Et donc, officiellement, il y a un acte de décès. Ouais. Sauf qu'il y avait des jumeaux. Donc, on avait... Encore une histoire de jumeaux. Oui, on avait la couverture du décès par le petit garçon, mais l'autre bébé est une fille qui sera Jeanne d'Arc. Donc, elle serait la demi-sœur du roi de France. Absolument. Et donc, comme cette Jeanne, qui s'appelle pas d'Arc, mais d'Orléans, on ne peut pas le dire, parce que d'Orléans, on ne peut pas dire que Louis d'Orléans couche avec la femme du roi. Et Isabeau de Bavière ne peut pas dire à son mari, j'ai une petite fille, on ne va pas l'élever à la cour. Donc on va l'envoyer dans un coin absolument perdu et on tombe sur Don Rémy. Et donc le berceau arrive avec la petite fille, etc., avec une escorte quand même, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains de l'ennemi. Il y a des gardes avec des torches. Alors les villageois sont absolument effarés parce que c'est un grand cortège comme si c'était princier. Parce que pour être accompagné de gardes portant torches et d'une escorte, vous ne pouvez pas être une paysanne. Sauf qu'on va la mettre dans une famille qui est une mèche avec tous les organisateurs de ce chose, et ça deviendra famille Jacques, Isabelle d'Arc, les parents d'Arc. Ce qui est très, très curieux. Donc, elle est élevée là, elle passe une enfance, j'allais dire, à peu près classique, mais ça pourrait expliquer qu'on lui ait appris le français, la révérence, monter à cheval, et quelques idées sur la situation du pays. Alors, il y a une dame qui s'en occupe. Bon, qui s'appelle Colette de Corbie. Colette de Corbie va faire penser un peu comme si c'était une agente. Une agente secrète. Bon, quelque chose. Qui va aller lui donner des conseils, l'informer, la préparer, en gros, à son rôle futur de Jeanne d'Arc, libératrice du pays. Alors, si c'est vrai, parce que forcément des preuves de ça, on n'en a pas beaucoup, c'est normal qu'elle connaisse le roi. Puisque c'est sa demi-sœur. Hein? Mais si c'est vrai et qu'on l'a préparé depuis si longtemps, ça remet en cause toute cette version très cléricale de voix du Seigneur qui... Oui, bien sûr. Et alors, on dit, mais cette Colette de Corbie qui deviendra sainte, Colette de Corbie, en plus, c'est une sainte, mais elle ne doit pas être toute seule, elle doit faire partie d'un réseau, et on trouve dans le réseau ben, des Orléans. Parce que bien sûr, Louis d'Orléans assassiné par les Bourguignons, allié des Anglais, et Louis d'Orléans, eh bien l'amant de la reine, ben, c'est quelqu'un de considérable, et c'est notre camp, c'est le camp de Charles VII. Alors c'est normal que
C'est, en fait, cette Jeanne et cette famille. C'est fille de Louis d'Orléans, à un moment, on s'est dit, Charles VII est peut-être aussi un fils adultérin de ce Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière, mais là, avec les dates, à quel moment elle était à la cour, à quel moment elle était avec le roi, à quel moment Louis d'Orléans était en campagne militaire, machin, là, les dates correspondent beaucoup moins, et c'est ça qu'elle est allée dire au roi. Vous doutez de votre naissance, mais là, vous, c'est pas possible, vous êtes le vrai fils de Charles VI, mais moi, Jeanne, enfin, lui dit pas, je suis votre sœur, de mes sœurs, maman. Il doit commencer à se douter de quelque chose parce que derrière, alors c'est ça l'immense secret de ces choses, derrière, vous avez Yolande d'Aragon. Alors, Yolande d'Aragon, comme son nom l'indique, c'est une Espagnole, mais elle a épousé le duc d'Anjou. Et donc, le duc d'Anjou, c'est l'un des personnages les plus considérables de France. Après les Orléans, les ducs de Bourgogne et tout le reste, parce que ce duc d'Anjou possède aussi le duché de Provence et possède la Sicile, et ce sont les descendants des anciens rois de Jérusalem. Alors, parce qu'il y a eu des ducs d'Anjou, rois de Jérusalem. Alors, quand vous en êtes là, vous dites que la maison d'Anjou est considérable, et cette fameuse Yolande d'Aragon, qui est hostile aux Anglais, qui veulent mettre la main sur l'Anjou, donc pas question, hostile aux Bourguignons, elle n'aime pas, c'est la cour rivale, ils sont plus proches des Orléans, donc la Bourgogne, c'est l'ennemi, etc., et a décidé de jouer la carte de Charles VII. Il s'est trouvé que quand il y avait des problèmes à la cour, que quand la cour était menacée d'être prise par les Anglais, etc., le petit Charles VII, tant qu'il était enfant, ben on l'a envoyé chez Yolande d'Aragon à Angers. Et donc, en fait, ce Charles VII a passé son enfance chez Yolande d'Aragon, qu'elle a dû. En gros, il se considérait comme sa mère. S'il y avait une mère un peu pas possible, pas souvent là, et c'est dénigré et honteux sans doute, mais là, il y avait, comme qui dirait, une vraie mère. Alors, est-ce qu'elle en a profité pour dire j'ai le dauphin dans la maison? Et quand il est devenu roi, elle a fait des intrigues pas possibles pour que tous les mauvais conseillers soient éliminés, pour casser l'alliance de la Bourgogne avec l'Angleterre, de fil en aiguille. Et en voyant, alors quand elle a su qu'il y avait cette petite Jeanne, etc., c'est elle qui a décidé la famille d'Arc et c'est elle qui a envoyé Colette de Corbie en mission spéciale pour préparer Jeanne d'Arc à sa mission de libératrice de la France. Donc, en fait, c'est un coup monté quasiment monumental par, en fait, une dame totalement inconnue d'histoire qui s'appelle Yolande d'Aragon. Alors, c'est ça où je disais tout à l'heure que l'histoire officielle va dire, mais apportez les preuves documentaires de ça. Ben, vous pouvez pas, tout s'est passé dans la coulisse, tout s'est passé dans le secret, sauf la présomption d'interprétation. Parce que ça reste absolument impossible que Jeanne d'Arc soit une paysanne qui conduit une armée, qui libère le pays, qui est ceci, qui est cela. Oui, comme tu disais en début d'émission, parfois l'hypothèse secrète cachée de l'histoire est bien plus cohérente que. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça, c'est, là, on a un exemple typique, c'est de dire si vous voulez expliquer les choses. Parce que l'histoire des interventions de Jeanne d'Aragon, quand on dit, ben, Jeanne d'Arc rencontre le roi Chinon à la cour devant tout le personnel de la cour, dans la foule, il y a Jeanne d'Aragon. Quand vous allez au sacre, ben, la foule, il y a Jeanne d'Arc, Yolande d'Aragon, ben. Et quand vous avez été à l'endroit, on dit, ah ben, Jeanne d'Arc a rencontré Colette de Corbie. Sans savoir que Colette de Corbie, les Orléans, les Anjou, je peux pas dire la même machination, c'est pas mal. On préparait, Jeanne d'Arc. En plus, il y a un mythe Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, il y a tout un tas de prophéties depuis des années qui disaient que la France serait libérée de l'anglais par une jeune fille vierge. Et on a répandu ça dans tous les milieux, un peu partout, pendant des années et des années, et puis soudain, la jeune fille vierge arrive, forcément. Oui, donc là, il n'y a plus qu'à Oui, donc dérouler la tout a scène. été une organisation absolument démente, il fallait un cerveau comme un ordinateur pour faire ça. Hein, et donc, alors c'est probant quand c'est expliqué comme ça. Parce que quand vous recoupez les lieux, ce qui a été dit, l'attitude du roi, l'attitude du machin, ceci, puis les quelques traces officielles qu'on a de dire, bah, Yolande d'Aragon a quand même fait telle chose, voyagez là, était présente à tel endroit, bah, ça on le sait, la Colette de Corbie, elle est connue, elle est une véritable personne existante, donc, machin, duc d'Armagnac a fait telle chose, bon,
Bon, par exemple, à un moment, Charles VII présente à Jeanne d'Arc son cousin d'Alençon. Alors, il dit, voilà, c'est mon cousin d'Alençon, duc d'Alençon. Jeanne d'Arc et duc d'Alençon fraternisent. Il dit, tiens, on va faire quelque chose, on va s'amuser à faire une joute. Donc, il faut une joute à la lance. Il s'aperçoit que Jeanne d'Arc monte à cheval mieux que lui. Je dis, bon. Elle m'a devient d'Orémy. C'est du monde, oui. Il faut bien le dire, quoi. Bon, il y avait une prophétie qui disait « Une jeune fille viendra en chevauchant le Sagittaire ». Bon, alors là, c'était incompréhensible, c'était quasiment du Nostradamus dans la formule. Puis après, on s'est dit « Le Sagittaire, c'est le centaure tire à l'arc ». Ah, c'est Jeanne d'Arc, et dans les armes de la famille d'Arc, les parents adoptifs, vous avez un arc et trois flèches. Et donc, en gros, on a préparé le terrain pendant très longtemps. On a éliminé les partisans de l'Angleterre, déguisé à la cour de Charles VII, enfin faisant jouer le ennemi, on est en intérieur, enfin machin, ceci, et tout organisé, pourquoi les villes se sont libérées si facilement, pourquoi ceci, pourquoi patati patata, eh bien, parce que c'est un peu préparé avant et surtout soutenu dans les coulisses. Et donc, forcément, il y a une suite. Ma maman va dire, mais c'est bien beau, mais cette Jeanne d'Arc va finir par être attrapée à Compiègne, va être attrapée. Il va être brûlé. C'est très embêtant. C'est-à-dire bah, que a fait Yolande d'Aragon, là, visiblement, là, il y a eu un dérapage, elle n'a rien pu faire. Qu'a fait Charles VII, alors, c'est un complot, là, mais qui irait dans l'autre sens. À un moment, elle a trouvé, forcément, si c'est l'admission du roi, elle peut se permettre bien des choses. Mais certains à la cour, et le roi peut-être lui-même, ont trouvé que ça allait un peu trop loin, qu'elle avait fini son rôle, qu'il était sacré. Puis maintenant, ben, tu retournes dans une boîte. On va peut-être te donner un jeton, tranquille, ciel, pour le tempérament, ce genre de choses. L'épée, l'anglais, encore dans le pays, on n'a pas encore repris Paris, et elle, elle veut reprendre Paris aux mains de l'ennemi. Sauf que l'état-major ne veut pas. Donc elle va réunir 300 guerriers, ses partisans, ceux qui l'aiment bien, ceux qui ne jurent que par elle, pour attaquer Paris. C'est une faribole, quoi. Donc, ils arrivent à Compiègne, forcément, ils tombent dans un piège, l'ennemi est 100 fois plus nombreux, elle est désarçonnée, elle est prise, pas par les Anglais, mais par les Bourguignons. C'est les Bourguignons qui l'ont attrapée. Forcément, elle les déteste. Ah, comme c'est pas possible. Ah, puisque l'ennemi, c'est eux, hein, parce qu'ils tiennent avec les Anglais. Si Charles VII gagne, leur compte est bon. Et eux, ils trouvent pas mieux que de la vendre aux Anglais. Donc, Jeanne a été vendue par les Bourguignons aux Anglais. Et là-dessus intervient l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est pas l'université d'aujourd'hui où on fait des études, c'est les théologiens. On appelle l'Université de Paris les grands théologiens de l'Église catholique en France, qui sont presque tous dominicains. Et qui dit dominicain, dit l'Inquisition. Puisque Saint-Dominique a fondé l'Inquisition, en gros, il y a parmi eux des inquisiteurs. Et les inquisiteurs ont qu'une seule idée, Jeanne d'Arc pour faire ce qu'elle a fait, parce que ils ignorent tout, Jeanne d'Aragon, une substitution d'enfants, etc. Ou voilà. Le côté surnaturel. Totalement, elle peut être surnaturelle, mais diabolique. Une sorcière. Voilà, parce que c'est pas possible, une femme en armure, c'est pas possible, une femme habillée en homme. Bon, en gros, on ne peut être que possédé par le diable. Donc, il faut qu'elle soit brûlée. Alors, on dit, on va brûler Jeanne d'Arc, elle sera comme sorcière. Hein. Mais l'argument principal, c'est à oser mettre, à oser porter des vêtements d'homme. Il paraît que c'est un sacré légénouille, parce que dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, la femme s'habillera pas en homme, l'homme en femme, pour donner le change dans les sexes. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, les femmes s'habillent en homme, les hommes s'habillent en femme, comme pour rigoler, on est tout à fait dans l'interdiction biblique. Et elle, comme... Elle se déplaçait avec des tenues d'hommes, alors qu'on est en armure, qu'on conduit une armée. Donc, son compte est bon pour l'Église. Les Anglais, ils sont plus réservés. C'est très curieux, c'est une grande région d'Angleterre qui dirige les opérations militaires anglaises en France. Il est bien content d'avoir Jeanne d'Arc. En plus, il hérite d'un cadeau empoisonné, puisque les bourguignons dans leur filet. C'est lui qui croit vraiment qu'elle a un pouvoir surnaturel. Alors, c'est très embêtant, parce que si on l'exécute, peut-être que là-haut, au ciel, lui, il y croit aussi au ciel. C'est pas très favorable. Et puis, il se dit, mais les Français, mais ils vont en faire une martyre. Mais demain, notre compte est bon, donc il essaie de sursoir. Alors, l'instruction du procès dure indéfiniment. C'est-à-dire arrêté en 1429, 1431, mais pas encore le. Décidé de son sort. Procès fait. Alors, comme on sait dans l'histoire, et l'évêque Cochon, évêque de Rouen, de mèche avec les Anglais, parce que lui est partisan
les Anglais, il tient avec les Anglais, Rouen est d'ailleurs sous coupe anglaise, et l'instructeur du procès. On ne sait pas ce qu'il fabrique, il trouve toujours un truc pour retarder le procès. Alors, le fameux inquisiteur, là, les dominicains de l'Université de Paris, le presse, on a des messages écrits. Hein. Comment ça se fait que Jeanne n'est pas encore jugée? Comment ça se fait? L'homme des pièces, les historiens officiels peuvent dire, bon, on comprend pas ce qu'il fait mal dans la coulisse. C'est encore un truc incroyable. D'abord, Jeanne d'Arc, qui va être accusée de sorcellerie, elle est jamais mise dans une prison ecclésiastique des locaux de l'Inquisition. Elle est dans des châteaux normaux. Classique. Et le dernier château avant Rouen, où elle doit passer au procès, est absolument extraordinaire. Parce que dans le château, elle a été mise, soi-disant, dans une cellule. Il y en a qui disent qu'elle était enchaînée dans les caves, d'autres elle avait une chambre avec un taquet, et puis elle pouvait avoir des visites, etc. Dans le même château, il y avait le roi d'Angleterre, et il y avait le régent anglais de France. Alors le roi d'Angleterre qui avait 6 ans à l'époque, il avait un régent qui était celui qui était maître de la France, la partie anglaise. Alors imaginez, vous avez une condamnée pour sorcellerie qui est dans le même château, que le roi d'Angleterre et le régent. Mais ça passe totalement inaperçu auprès des historiens officiels. On se demande absolument pas pourquoi et comment. Et donc, il y a une deuxième influence secrète. C'est que, et on se dit, qu'est-ce qu'il fait Charles VII pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font les généraux qui ont combattu les Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui fait ceci? Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est de dire que, en gros, l'idée de Charles VII, c'était bien sûr de sauver sa demi-sœur quand même, et de faire une tractation avec le roi anglais. C'est-à-dire, en gros, vous la condamnez pas, mais qu'est-ce que vous donnez en échange? On va négocier. Les Dominicains, ils veulent pas négocier. Les autres veulent négocier. Cochon, il est dans le milieu, mais il paraît que c'est un diplomate hors pair. Il va essayer de concilier tous les trucs. Bon, mais il va échouer, puisqu'on va dire, ben voilà, le procès, le tribunal décide que Jeanne d'Arc est blasphématoire, les vêtements dont je parlais tout à l'heure, sacrilège, elle a fait verser le sang des hommes, bien sûr, à la guerre, encourageant les soldats à libérer le pays, elle a fait verser le sang dans une guerre, on fait toujours verser le sang de l'ennemi, mais là, il paraît que c'était une calamité, donc elle va être brûlée quand même. Alors Jeanne d'Arc est brûlée à Rouen, tout le monde le sait, par la femme évêque Cochon, qui porte bien son nom, bien entendu. Ça s'écrit CEU hein, quand même. Mais il y a encore un complot. Encore. Oui, parce que cette histoire n'en finit pas. C'est l'une des histoires les plus hallucinantes qui soit avec l'histoire de Reine de Château. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir brûlé les vrais Jeanne d'Arc. Ah ouais. Parce que quelques années après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à Orléans? Qu'il y a des chevaliers qui passent, qu'il y a une femme en armure avec, elle enlève son casque, on reconnaît que c'est Jeanne d'Arc. Ah, on dit, mais c'est un sosie, c'est Jeanne des Armoises qui fait courir partout le bruit dans le pays, qu'elle a été sauvée du feu, et c'est qu'elle est Jeanne d'Arc. On fait une enquête, bah aujourd'hui les historiens pensent que c'est un complot de sa part pour l'imiter, mais sans que ce soit une vraie. Sauf que quelques temps après, on retrouve la même chose avec une autre. Et on se dit, tiens, il y a une Jeanne d'Arc qui passe, en gros. Et donc, le secret de l'histoire, c'est qu'on aurait changé les corps. C'est-à-dire que la personne qui serait allée au bûcher, c'est pas Jeanne d'Arc, que dans la fameuse forteresse où elle logeait avant son procès, avant l'exécution. C'est bourré de souterrain, c'est passé. Évacué, on aurait changé de personne. Alors, qu'est-ce qu'il prouve? Parce qu'il y a une preuve. C'est que quand Jeanne d'Arc est sortie de sa prison, de son l'endroit où elle était en prison pour son exécution, a été, bien sûr, passée à travers la foule, etc., mais elle avait un voile sur la tête. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu un visage découvert. Alors ça, c'est une dernière chronique. Jeanne d'Arc était voilée entre sa prison et le bûcher. Alors, bon, le complot, il est gros. Hein. Est-ce que c'était une pratique, à ton avis, est-ce que c'était... Alors, je crois pas, ça se faisait pas. Non, normalement, ça se faisait pas. Le coupable, le criminel, lui mettait une chemise rouge, était coupable de tous les crimes de la terre, mais on montrait bien sa tête au peuple. Mais alors là, bon... etc. Donc, ce qui se serait passé, c'est qu'ils auraient pris une pauvre fille, qu'ils auraient une prostituée ou une incarcérée de droit commun, qu'ils auraient plus ou moins droguée pour que ça soit pris dans le cirage, le voile sur la tête et brûlé à la place de Jeanne d'Arc, qui est évacuée par les souterrains, aurait continué, tout le monde était tranquille, le roi d'Angleterre n'avait rien fait, Charles VII l'avait sauvé, et tout était tranquille. Ça fait quand même beaucoup. C'est une histoire extraordinaire.
Ah oui. Ça fait un peu comme un truc extraordinaire. Et en plus de tout ça, il y aurait encore derrière les franciscains. Alors, ça est une histoire absolument incroyable parce que la fameuse Yolande d'Aragon, la fameuse Colette de Corbie, tout un tas de collatéraux, etc., sont en fait du tiers ordre franciscain. En gros, il y a des franciscaines et des franciscains, il y a un ordre officiel, c'est des moines, c'est des religieux, puis le tiers ordre, c'est des gens qui sont laïcs, mais qui épousent la cause charitable de Saint François. Et en gros, cet ordre-là aurait opté Charles VII aussi, aurait opté Jeanne d'Arc aussi, et aurait financé toutes les opérations. Les franciscains étant l'ennemi des dominicains, en plus, par-dessus le marché. Vous savez qu'il y a des bons moines et des bons religieux, hein. C'est les bénédictins, c'est les clunisiens, c'est les disciples de Saint-Gérard, de Saint-Bernard de Clairvaux, qui a lancé l'ordre templier, etc. Donc un grand personnage théologien aussi, qu'on surnommait le grand douai de Gaulle. Rendez-vous compte, on est au XIe siècle, XIIe siècle, un prélat de l'Église qui s'appelle grand douai de Gaulle, donc une tradition celtique maintenue, mais dans l'Église. Hein, ben. Donc, Et puis, ce sont les bénédictins. alors, des bénédictins, c'est un bon ordre, mais bon, c'est plus ancien. Hein. Les clunisiens, c'est Saint-Bernard de Clairvaux, c'est l'histoire des Templiers, mais c'est intérieur à Jeanne d'Arc. Hein. Et là, ce sont des franciscains, avec pour ennemis toujours les dominicains. Donc, les Les fameux dominicains. qui Voilà. à l'université de Paris. Donc, au nom d'une rivalité ouverte et bien souvent secrète franciscain-dominicain, on retrouve les dominicains voulant brûler Jeanne d'Arc, les autres voulant la sauver. À quel niveau ils pouvaient intervenir dans la coulisse, etc. Mais on les retrouve très, 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 très souvent derrière. En gros, c'est comme si un ordre franciscain connaissant la mission de la France, avait soutenu tous les projets de ce genre. Bon, bien que ce ne soit pas la raison de l'exposé d'aujourd'hui, l'autre ennemi dans l'Église, ce sont les jésuites. Alors, en gros, les dominicains, les jésuites, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons en tant que religion, hein, et pour l'ésotérisme, cela, non, et les bénédictins, les franciscains, ils sont bien, ils sont religieux catholiques, mais ils sont comme nous, quoi. Voilà. Et à la suite de ça, Jeanne d'Arc ou pas Jeanne d'Arc, on est en 1431. Bon, est condamnée, ça n'empêchera pas qu'en 1456, il y a un procès de réhabilitation et qu'elle est réhabilitée. Et en 1920, elle est déclarée sainte. Donc l'Église n'est pas une contradiction près, parce que la diablesse est après sainte. Et maintenant, en fait, une. L'Église exécute et puis après. Voilà. Et donc on est. Actuellement, dans Sainte-Jeanne d'Arc, hein, l'héroïne nationale, l'héroïne du pays, récupérée par certains partis politiques, comme vous savez, et dont la fête est le 8 mai. Et Sainte-Jeanne d'Arc, c'est le 8 mai, parce qu'elle a délivré Orléans le 8 mai. Et parce que l'armistice de 1945 s'est signé le 8 mai. Bon, c'est une étrange coïncidence. Et au niveau de l'histoire secrète, il ne peut pas y en avoir. Hein. Donc, comment aussi, quand on a le procès à déclarer Sainte Jeanne d'Arc en 1920, au journal officiel, le décret qui est apparu qu'il y avait cette sainte-là dans le calendrier, ça a été signé le 14 juillet. Alors, est-ce que le gars qui a fait paraître, comment dire, l'a fait exprès, pas exprès, là on ne sait pas, mais les coïncidences sont absolument incroyables. Quand vous avez un armistice en 45, le 8 mai, fête de Sainte Jeanne d'Arc, et le 11 novembre, fête de Saint-Martin, de Tours qui a évangélisé une partie de la France. Donc c'est un saint protecteur de la France et Saint-Martin, Jeanne d'Arc héroïne qui a délivré la France des Anglais, et Saint-Michel protecteur de la France qui a sa statue au Mont-Saint-Michel pour protéger le pays. Tout se tient. Et à la suite de ça, donc 1431 à 1453 que fait Charles VII, il a réorganisé totalement son armée, il a acheté du matériel moderne, il a trouvé que les Anglais avaient gagné à Azincourt grâce aux bombardes. Il a mis les ingénieurs là-dessus. On a des bombardes légères, beaucoup supérieures. Et une bataille finale qui a lieu à Castillon. Les Anglais font une charge traditionnelle. C'est comme eux, nous, on avait fait à Azincourt, faire une charge de cavalerie droit sur l'ennemi bourré de canons. Tous les premiers rangs anglais sont descendus. Eux qui veulent jouer héros, ils se regroupent, ils refont une deuxième charge, ils sont complètement descendus. Les groupes sont désorganisés. Les chevaliers sont à terre. Et nos troupes, là, charge, les transpercent. Ils sont battus et ils quittent définitivement tout le pays.
Et l'anglais est bouté hors de France. Hors de France. 1453, c'est terminé. On a gagné la guerre de Cent Ans. Et en même temps, on finit le Moyen-Âge. Et c'est la fin de la chevalerie. C'est la fin de Douvres. Et la même année, Constantinople, vaincu par les Turcs, tombe. 1453. Et après, on rentre période moderne, 1492, les grandes découvertes. Et c'est fini la période dite médiévale. Ça se finit quand même de façon extraordinaire, parce qu'on met fin d'un côté à l'Empire romain d'Orient, Empire byzantin, et on met fin à la guerre de Cent Ans, de l'autre côté. Voilà ce que c'est qu'une partie de l'histoire secrète de la France, et voilà pourquoi on est un très très grand pays. Merci beaucoup Michel. Et la entre parenthèses, hein, on est très content que l'anglais soit bouté hors de France. Et donc la prochaine fois, ben, on va voir la suite après tout ça, après cette fameuse période. On recommence à la Renaissance, c'est-à-dire bon ben là c'est tous les châteaux de la Loire, c'est François Ier. Alors là il y a beaucoup d'astrologues, d'alchimistes et tout ça. Il y a Rabelais, il y a Nostradamus. Ouh, ça sent une émission passionnante et longue pour la prochaine. Ben pas plus longue que celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'au bout. Oui, mais bon, ça aurait été dommage de couper avant d'aller jusqu'à 1453, même si j'ai débordé un peu l'horaire. Je comprends, mais j'adore parce qu'à chacune de tes conférences, tu gardes pour la fin quand même un gros morceau à chaque fois, qui fait qu'on se dit « Waouh, c'était du lourd ». Merci beaucoup Michel. Je vois pas de questions pour l'instant sur les commentaires des Nuréens, mais parce que je suppose que l'exposé que tu nous as fait suffit amplement à nous expliquer tout ça. Donc un grand merci à toi. On se revoit. J'ai pas la date en tête, mais je sais qu'on a planifié une date au mois de mars. Donc pour la prochaine conférence sur l'histoire secrète de France, et on démarrera donc de la Renaissance. Et nous verrons où tout cela nous mène. Mais en tout cas, un grand, grand merci à nouveau, Michel, pour le temps que tu nous consacres et pour toutes les connaissances que tu partages avec nous. Merci. À la prochaine. À bientôt, Michel. Merci. Les amis, bah écoutez, en tout cas, merci. Vous étiez encore super, super nombreux ce soir sur l'émission, sur le chat, sur les commentaires. Donc, un grand, grand merci pour votre présence, pour votre fidélité, et puis pour toutes les infos que vous rajoutez, que vous échangez entre vous aussi sur le fil de commentaires, c'est toujours super intéressant que vous soyez partie prenante et que vous échangez des infos entre vous, c'est aussi ça qui fait la richesse de ce média. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine, bon courage pour celles et ceux qui travaillent demain, et puis peut-être aussi pour celles et ceux qui travaillent ce week-end, c'était la dernière émission pour la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous a prévu encore une chouette émission. Vous aurez trois directs. On commencera mardi prochain. J'aurai le plaisir d'accueillir Nicolas Augusto, qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur Nuria TV. Et on fera une émission spéciale ufologie et où on parlera de divulgation avec toutes les personnes qui initient ce genre de démarche, de Stephen Greer à Tom DeLonge et j'en passe. Donc voilà, l'émission sera mardi à 20h30. Ensuite, eh ben, le retour de Lionel Camille sur Nuria TV, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu, et je sais que vous êtes nombreux à le réclamer, donc j'attends avec impatience cette émission. Un dossier disparition mystérieuse, et là on a choisi un dossier très 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 lourd, le cas Elisa Lam, qui est plutôt connu à travers la planète, mais vous savez qu'avec Lionel, là aussi, on aura des informations supplémentaires et il va nous tenir en haleine pendant toute cette soirée-là. Donc, un grand, grand plaisir de retrouver Lionel sur l'antenne de Nuria TV. Et la semaine se termine, donc ça sera jeudi à 20h30. Et la semaine se terminera vendredi. C'est Nora qui aura le plaisir d'accueillir Michel Guenier pour un nouveau cours vidéo, plutôt un atelier vidéo cette fois-ci, un nouvel atelier sur la thématique « Tester votre intuition et votre télépathie ». Donc, on espère que vous serez nombreux à vous inscrire là aussi à ce cours et à rejoindre Nora et Michel sur le direct vendredi prochain à 20h30. Voilà, ça c'est le programme qui vous attend la semaine prochaine sur Nuria TV. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt les amis. Ciao. Au revoir Michel. Au revoir, à la prochaine. Bon.